Bonsoir. Nous venons ce soir vous entretenir dans un direct important. Et donc, partager, inviter et sécuriser le direct. Comme à nos habitudes, nous allons sortir et frapponner comme il se doit. Partager parce que besoin il y a. Partager parce que nous sommes en train de faire une communication d'anthologie. Partager parce que nous allons monter en puissance. Je suis votre frère, le camarade, le frère, le Gwimwi, le B52, sous le lit Paris. Une personne qui n'est pas à présenter et qui n'est plus à présenter. Partagez au maximum. Nous allons ici avoir un témoignage en direct. Je suis l'objet de certaines attaques qui, ma foi, ne méritent pas du répondant. Parce que ces personnes-là ont décidé de faire de moi les chasses gardées communicationnelles dans le faux. Nous allons ici décortiquer avec des preuves irréfutables. Nous allons ici avoir un témoignage édifiant. Un témoignage historique, anthologique, pour ne pas dire un témoignage incontournable. Nous avons décidé d'attraper le taureau par les cornes en communication. Nous avons décidé de faire une autre communication qui, ma foi, doit être au centre de l'humain. Nous sommes dans une communication pointilleuse qui cible, je suis dans la cible du B52. C'est important. Ma communication, elle est minutieuse. Nos temps sont très précieux. Et précieux. Et également, nos sorties. On ne peut s'hasarder à sortir pour venir faire du vuvuzela creux ou bien venir tenir des discours laconiques sans fond, ni dessous, ni, n'est-ce pas, de contenance, ni de retenue. Ce soir, nous allons ici appeler en direct, sans mentir, parce que le mensonge, c'est le fort de ceux-là même qui n'ont pas d'argument. J'ai décidé d'être un activiste politique. Ça engage ma vie et celle-là même, elle est en danger. Parce qu'à tout moment, ces personnes sont prêtes à tout pour me faire passer des pas à trépas. Mais ils ne pourront pas. Parce que le combat sera cette dure, rude, féroce, titanesque. Mais nous allons tenir le bout. On va tenir, n'est-ce pas, avec force et détermination et résilience. Même si certains seront achetés. Parce que dans un combat politique, certains dans une fébrilité, dans une faiblesse humaine, peuvent basculer. Mais nous tenons bon, parce que nous avons la foi. Le combat que nous menons, malgré les accusations, nous tenons bon. Le combat que nous menons, malgré les emprisonnements, nous tenons bon. Ce combat que nous menons, malgré les persécutions, nous tenons bon. Le combat que nous menons, malgré l'exil, nous tenons bon. Et personne ne peut jouer avec cela. J'ai, à travers moi, mon engagement, mime la vie de mes enfants, de ma famille, de mes proches en danger. Et donc, et moi-même en danger parce que je ne peux plus aller dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je ne joue pas avec ce combat que je mène. Et je ne jouerai jamais avec ce combat. Mais pour moi, il est important. On ne fait pas la politique pour la distraction. On fait la politique pour le concret. Et donc, je connais les enjeux politiques. J'ai été à l'école. Je n'ai pas été par devers ou bien à travers ou bien à côté de l'école. J'étais à l'école, Dieu merci. Et donc je connais où je vais. Et donc quand je vais là, je sais quelle cible je vais atteindre. Je ne suis pas un mouton, on va me dire vas-y, j'y vais. Non. Si aujourd'hui j'ai accepté mon souhait de Paris, l'exil, mon président Guillaume Soro m'a trouvé en exil. Ma mère, Afsi Bama, m'a trouvé en exil. J'explique les choses pour que les gens comprennent. Que je ne me suis pas exilé, non. Mais c'est mes propos-là qui m'ont envoyé en exil, qui m'ont contré dans cet exil forcé. Mais si je vais en Côte d'Ivoire, c'est la guillotine. Edwige, Lydie Conan, gros bisous à toi. Et donc, de Cook, c'est à travers cela, partagez la vidéo, hein, parce que je ne suis pas seulement à vous. Il faut diversifier l'audience. Donc, je vous prie, frères et sœurs, de partager la vidéo avec beaucoup de respect. Parce que demander de partager la vidéo, on le fait parce qu'on ne parle pas à soi-même. Non. On parle à un audimat. On parle à des personnes. On ne parle pas à des moutons. Et quand Dieu dit et partage là,
pour partager la vidéo. Moi, je quémande les partages. Parce que c'est en partageant que mon message est entendu positivement. Même pas un message qui est entendu n'est pas négativement. Voilà, c'est important. Parce que mon temps est précieux. Votre temps est précieux. Et quand on prend de votre temps, là, on ne doit pas, comment dirais-je, prendre de votre temps inutilement avec des futilités. Alors, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, pomper, béni, à pomper, à pomper. À pomper, à pomper, pomper, bimoui. À pomper, à pomper, 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 montez la sauce. À pomper, frotamougou. À pomper, à pomper, 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 je vois les batailles là. Et dites ça. Ah, mon équipe est là. Les diamants factibles. Allez, à pomper. Partout, faut envoyer la sauce. Voilà, nous on n'est pas dans le mauvais rêve. Voilà, à partager. Bimoui. À pomper, partager. Je vais vous dire ce soir merci. Avant de commencer, parce que cette vidéo n'a pas duré, on fait pratiquement 30 minutes. Je pense bien. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Depuis quelques jours, notre page Facebook, ceux de Paris, était bloquée. Pas de quelques mois. Nous sommes actuellement à. On est actuellement à 72 partages. Partagez toujours. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo toujours. Nous avons été victimes de beaucoup d'attaques. Et j'aimerais ici vous annoncer une très bonne nouvelle. Partagez cette nouvelle avec vous. Vous m'avez fait, vous m'avez fabriqué. Depuis des années, vous m'avez apporté beaucoup. Sans vous, je ne suis rien. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Aujourd'hui, depuis hier, d'aucuns ont remarqué que nous avons franchi un nouveau pan de notre histoire au niveau de notre communication. Certains l'ont remarqué. Je sais que Fatim le Diamant, mon petit cœur n'a pas vu cela. Je sais que la plus belle qu'on a dit n'a pas vu. L'incontournable Alicia n'a pas vu cela. Je sais que Philo, je sais que Caroline, je sais que la préférée du Saint-Esprit, vous n'avez pas remarqué que nous avons franchi un Rubicon. Oui, l'histoire a consigné ce 13 juin 2023. Ce qui est irrévocable, implacable, indéniable, que nous sommes rentrés dans l'histoire de la communication dans notre pays. Nous avons, après 2 ans de combat sur la toile, malgré notre page Facebook bloquée, on a franchi la barre des 600 000 abonnés sur notre page Facebook. C'est du jamais vu. On m'en douche Capocora, mes respects. C'est du jamais vu. Nous avons franchi la barre des 600 000 abonnés sur la page Facebook du Fraponneur de Souley de Paris. Ma page principale. Elle a été bloquée depuis maintenant quelques temps. Hein. Mes likes, pardon, les personnes qui venaient liker ma page disparaissaient. Dieu merci. Depuis hier, je constate que on a franchi une barre très importante dans l'histoire de la communication en Côte d'Ivoire. Nous sommes présentement à plus de 600 et quelques mille abonnés sur notre page Facebook. Il n'y a aucun activiste en Côte d'Ivoire qui l'a fait, au-delà qu'il a fait. En 2 ans, il n'y en a pas. L'histoire retiendra que le 13 juin 2023, M. Traoré Souleymane, Souley de Paris, le franc-preneur, a écrit une autre page de l'histoire de l'activiste politique à cause de vous. Je vous dis foncièrement merci, merci. Vous pouvez le vérifier, je vais vous le montrer maintenant. Ici, Carole Assois. Regardez ici. C'est là. Vous pouvez voir ceci tranquillement. Nous sommes ici. Voilà. Nous sommes actuellement à 600 et quelques mille. 601 000 abonnés. C'est là. Sur ma page Facebook, Souley de Paris. Que c'est belle, que c'est beau. Cette histoire que nous partageons ensemble. Oui, que c'est merveilleux. Cette histoire que nous écrivons ensemble. Regardez-vous-même. Vous voyez? On est à 601 000 abonnés. C'est là. Voilà. Merci beaucoup à toi. Carole Assois, Fatim le Diamant, Alphonsine Kofi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Voilà. Je tenais à vous dire merci pour cela. Regardez bien. Écrivez ça. Il n'y a rien à jalousie. Donc, on doit vous dire merci pour ce soutien indéfectible. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, à notre combat. Merci beaucoup pour votre fidélité. Voilà. Notre page principale a franchi la barre. Et ce n'est pas partout que l'on peut faire ça. Voilà. Nous l'avons fait, étant ici à Paris, malgré la persécution, malgré le combat dans lequel nous sommes en exil. Votre frère, à cause de vous, j'ai pu franchir cela. Je vous tire mon chapeau et vous dis merci. Parce que je n'ai pas la prétention d'être orgueilleux. Je n'ai pas la prétention d'être mal poli. Je n'ai pas la prétention de parler mal à mes followers. Je vous dis merci. Parce que c'est les followers qui viennent te dire et qui viennent t'élever et qui te conseillent. Merci beaucoup à vous. J'ai été long en introduction, mais je tenais vraiment à vous entretenir pendant quelques secondes par rapport à ce que vous m'avez apporté dans ce combat-là. Merci beaucoup à vous. Grâce à vous, on me connaît partout où je passe. Grâce à vous, quand je passe, on me dit le franc-poneur. Père, c'est vous qui m'avez porté. Et jamais je vous manquer de respect. Père, c'est vous qui m'avez porté jusqu'au mini-sommet. C'est-à-dire qu'on a un mètre. Je suis seulement à 0,10 seulement. Grâce à vous. Merci beaucoup à vous pour la confiance toujours renouvelée. C'est parti. Ce soir, j'ai décidé de vous servir encore une fois de plus en fidélité, en combat. Et ce combat-là, il est là. Ce que vous avez connu à moi, celui-là même du frapponneur, du concasseur, lui qui sort sans se perdre en conjecture au niveau de la communication. Pas la distraction, pas comme certains qui s'ennuient souvent et qui font des vidéos à tout va, sans fond, sans dessus, sans dessous, et qui n'apportent rien à la communauté. On doit apporter. Ceux qui perdent des passes pour venir nous regarder là, ils doivent en tirer des leçons. Ceux qui viennent jouer les guignols de service ne servent absolument à rien. Ils sont seulement que, n'est-ce pas, des guignols. Au sens propre du terme. Il faut respecter, n'est-ce pas, son audimat et je le ferai toujours. Avec beaucoup, n'est-ce pas, de respect. C'est parti. Ceux de Paris, B52. Nous avons connu une situation en Côte d'Ivoire qui a posé beaucoup de problèmes aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous recevons les persécutions communicationnelles d'un ministre qu'on appelle Bruno Nabane-Kone en Côte d'Ivoire. Nous avons traité le dossier avec beaucoup d'attention. Nous avions exploité le dossier avec beaucoup d'attention parce que Bruno Nabane-Kone est le gendre de M. Alassane Ouattara. Dossier dans la République. Notre page Facebook est dédiée à dénoncer l'état et les méfaits, les faits des malfrats au col blanc en Côte d'Ivoire. Ce soir, nous allons toucher du doigt ce que d'aucuns refusent de parler. J'aimerais saluer ici mon très cher aîné, Franklin Nyamsi au Cameroun. Les saluer avec beaucoup de respect. Il se bat en communication, je vois. Il faut saluer des personnes vraiment qui se battent. Et leurs contenus sont importants pour la postérité. Ça importe. Il faut saluer ce grand monsieur qui se bat. Et à chaque fois, il est en direct. Mais quand il est en direct, il n'est pas là pour jouer ou monter ses crocs aux gens. Non. Je n'ai pas dit qu'il a des crocs. Pour certains qui sortent pour ne rien dire ou pour ne rien faire. Et qui consomment vos data, vos passes internet pour rien. Voici quelqu'un qui apporte et qui a une plus-value. Je ne peux pas dire de la valeur ajoutée. C'est ce qu'on appelle TVA. La taxe sur la valeur ajoutée. Alors, j'aimerais saluer ce monsieur-là. Depuis quelques jours, je vois comment il a accéléré la communication malgré les persécutions qu'il subit. Même si parmi nous, nous subissons également des persécutions, mieux, c'était souvent, nous le faisons, mais il faut reconnaître à ce monsieur, lui donner, n'est-ce pas, sa place de combattant vraiment très puissant, très fort, d'un intellectuel vraiment hors pair. Je n'ai pas dit hors sol,
j'ai dit hors pair, qui apporte à la connaissance et à l'humanité. J'aimerais vraiment lui dire merci parce que ces communications en journée, partout, ça apporte. C'est vraiment c'est une ressource. C'est important. Nous allons rentrer dans les bains et patauger ensemble avec la fêtière FDR. Il y a un ministre en Côte d'Ivoire qui s'appelle M. Bino Dabane-Kone. Rapidement, je vous montre sa photo. Sa photo, elle est là. C'est important. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. La photo, elle est là. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Le Gumi est en direct parce que là, maintenant, je pas bien. Ceux qui veulent m'appeler, m'appellent sur mon numéro de téléphone 0605 70. Voilà. Très bien. Donc, on va ici voir ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. J'ai réussi à appeler ici en direct un témoignage efficace. Le ministre de la déconstruction en Côte d'Ivoire, en l'occurrence, M. Bruno Dabane-Kone, a décidé, parce qu'il va être président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous préviens, nous avons les preuves. Certains de mes camarades ont été approchés pour faire la communication pour Bruno Dabane-Kone. Oui, je le dis encore, certains de mes camarades, je n'ai pas dit des camarades soroïstes, non, mais certains de mes camarades ont été approchés pour faire la communication de Bruno Dabane-Kone, qui, ma foi, libre à lui d'être candidat en Côte d'Ivoire aux élections présidentielles, puisque le fils, les gens veulent remplacer, n'est-ce pas, le beau-père. Ils ont proposé des enveloppes à des personnes qui ont refusé. Je précise bien, j'ai les preuves. Certains, quand ils approchent, ils prennent l'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, c'est des toutous. Vous m'excuserez, les femmes, c'est des bordels. C'est des dandous. Comme le dit l'autre, c'est des dandous. Ils ne savent pas la fermer un petit peu. Fermer les jambes. Ou bien les braquettes. Parce qu'il faut savoir dire non. Quand l'on est sûr de soi, on est fidèle à une conviction, à un combat, il faut savoir dire non. On ne mange pas partout. Ou bien au même moment, en même temps. On n'a pas le don d'ubiquité. C'est retrouvé dans la cour de M. Traoré et dans la cour de M. Koné. Mais par contre, je le dis et j'affirme, je confirme que le ministre Bruno Dabane-Kone a approché des activistes ici à Paris pour faire sa communication. J'en ai les preuves. Parce qu'il va être candidat en 2025. Il y a une guerre de tranchées au niveau du RHDP. Des activistes, même soroïstes, ont été approchés. Je le dis avec. Je mets au défi parce que on va commencer à monter en puissance. Que des activistes ont été approchés pour faire la communication de Bruno Dabane-Kone. Des personnes ont été envoyées en mission afin de faire retourner les activistes de l'opposition. À ce jour, je peux ici vous affirmer qu'il y a un ou deux qui ont basculé. Basculé dans une communication édulcorée, mélangée et tordue. Je parle bien de Bruno Dabane-Kone. Puisque même au sein du RHDP, ils le savent ce que je dis là. Que la communication a commencé, les approches ont commencé afin de pouvoir faire la communication de Bruno Dabane-Kone. J'affirme, je confirme, je certifie. Un ami proche à moi, de moi, a été également approché. Et ça lui a été expliqué, l'enveloppe qui était en dessous de cette affaire. Mais quand tu es un activiste corrompu, vendu, et que tu es acheté partout, et que tu n'as pas de conviction, tu ne peux que te vendre à vil prix à cause de l'argent. Mais quand tu es un activiste confirmé, assermenté, dévolu, intrépide, courageux, et tu sais où tu vas, tu ne peux tomber dans ce piège-là d'argent. J'affirme et je confirme qu'il y a un ou deux qui ont pris de l'argent pour faire la communication pour Bruno Dabane-Kone. Je l'affirme et je le confirme. C'est malheureux et c'est regrettable. Parce que Bruno Dabane-Kone
a des velléités d'être président de la République de Côte d'Ivoire, c'est nié à lui, quitte à lui. Personne ne peut lui dénier cela. Mais il ne peut venir acheter, surdouer, manipuler, donner de l'argent à certaines personnes pour faire sa peau dada. Moi, le président Guillaume Soro ne me donne absolument rien. Je l'affirme sur la vie de mes enfants. Si ma tombe, quand me recevoir un jour, que je n'ai pas de salaire du président Guillaume Soro. C'est vrai et c'est concret. Nabade Kone a réussi, actuellement je vous parle, à envoyer des enveloppes à certaines personnes. À des activistes, deux, je peux confirmer, en diaspora. Ces personnes seront dévolues. Parce que ces personnes-là veulent phagocyter certaines choses. Je confirme et j'affirme encore une fois de plus. Au niveau du RADP, du PDCI, du GPS et j'en passe, chacun a droit à avoir des communicants. Au RADP, ils ont réussi à avoir un individu que je ne citerai pas, qui a pris son enveloppe, ce qui est bon pour lui aujourd'hui. Et il fait le chou gras. Il y a également, pardon la vidéo s'il vous plaît, il y a également au niveau de l'opposition, il y a beaucoup d'activistes, même certains méconnus que l'on veut faire émerger en matière de, avec des perdièmes. Mais il peut le faire, ça c'est leur, c'est leur tâche d'été. J'y reviendrai dessus tout à l'heure. Pour diviser, pour briser. Je vous prie de ne pas. Je vois ici des noms cités. Je n'aimerais pas que. Parce que le nom que vous citez ici, il n'y a pas de nom là. Je veux pas ici que vous citez des noms, s'il vous plaît. Il faut laisser cette page propre. C'est moi qui parle de ma bouche, parce que j'en ai. Ne citez personne ici, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Si je veux dire, je le dis. Mais je n'ai peur de personne. Voilà. C'est parce que ces noms là. Sont un nom pour moi ordurier que je ne peux prononcer sur ma page Facebook. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire des noms pour indécer quelqu'un ou bien, non, ne le faites pas. Laissez-moi la paternité de mes propos. Ne le faites pas. S'il vous plaît, je vous en prie, ne le faites pas. Parce que je n'ai peur de personne. Je peux dire le nom de quelqu'un si je veux, comme je veux, sans retenue. C'est important. Ceux qui veulent être payés ou bien être aller manger dans la main des autres, c'est le problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, si je veux parler quelque chose, je le dis ici en face. Mais je n'ai peur de personne. Personne ne m'a envoyé ici sur la page sur Facebook. Personne ne perd ma connexion. Et donc, si je veux parler, ma personne de Paris, c'est quand même un grand frère pour beaucoup de personnes. Donc, quand je parle ici, là, j'assume ce que j'ai fait. Donc, je vais pas passer par les artifices. Je ne suis pas hypocrite. Non. Ou bien semer le doute. Pour ne pas dire nom de quelqu'un, non. C'est pas ces noms-là, pour moi, sont un nom, n'est-ce pas, comment dirais-je, ordurier. Voilà pourquoi je ne cite pas ces noms-là. Donc, ne mettez pas de nom ici pour dire non, c'est telle personne, je n'ai pas dit cela. S'il vous plaît, merci beaucoup. On va maintenant commencer la vidéo rapidement. Va-t-il la vidéo, s'il vous plaît. Et donc, Nabane Kone a cru bon de passer par des artifices pour nous attaquer en communication. Et il a dit que moi j'ai été payé. Je l'ai dit pourquoi? Parce que comme il a réussi à payer certaines personnes, il pense que moi j'ai été payé. Et Nabane Kone véhicule le message que moi, sur le Paris, j'aurais reçu de l'argent du RHDP afin de faire de la communication contre lui. J'aimerais ici dire au ministre de la communication, des ministres de la construction de Côte d'Ivoire, Bruno Nabane Kone. Je montre sa photo parce que je veux que. On sait au même niveau d'information. C'est important. S'il a donné l'argent à quelqu'un, pour moi, je n'ai jamais reçu. Donc, il faut que lui et moi, on se passe ce soir-là. Bruno Nabagné. Voilà. Bruno Nabagné. Voilà. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, il est là. Si jamais. Monsieur Nabane Kone
Vous avez donné de l'argent pour moi, je n'ai pas reçu. Voilà, c'est là. Regardez ici là. Sa poteau, elle est là. Celui qui est là. Voilà. C'est le gendre de M. Ouattara. Celui qui a fait enfant avec sa nièce. Voilà. C'est important. Cher monsieur, je vous dis que ne mettez pas de nom ici parce que ce que vous avez écrit n'est pas vrai. Voilà. Voilà. Regardez ici. Donc c'est parti. Je vais encore me répéter encore. Il ne faut pas écrire des noms ici, s'il vous plaît. Il ne faut pas jeter d'accusations. J'assume ce que j'ai dit. Il ne faut pas mettre des accusations ici fallacieuses sur des personnes. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Et si je vais dire, je vais le dire. Donc, il ne faut pas dire nom de quelqu'un que je n'ai pas cité. Voilà. Ne dites pas le nom de quelqu'un que je n'ai pas cité. Moi, je ne parle pas en parabole pour cibler quelqu'un. Si je parle, je parle en direct. Il les cite. Donc, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, ni des camarades qui auraient été vendus ou payés. Il ne faut pas faire ça. Merci beaucoup. Voici le ministre Nabane Kone qui est là. C'est lui qui prétend que j'ai été vendu et que j'ai été payé pour les cibler. Je vais dire au ministre que je n'ai jamais fait. Le ministre de facto, je n'ai jamais fait. Parce que j'ai eu à un moment donné, à vous cibler en politique. Je n'ai pas pris le soin et la force sur moi pour vous cibler, non. Je vous ai ciblé parce qu'il y avait un dossier donné. C'est important. Mais c'est Alassane Ouattara, à l'âge de mon père. Il est bien à l'âge de mon père. Mais je les cible en politique parce, pour des faits politiques. Et je ne cible pas la personne parce que c'est un individu. Non. Nabane Kone, je n'ai jamais reçu un franc d'un cadre du RADP qui me demandait de vous attaquer. Mieux, je n'ai jamais reçu un franc pour dire ceux de Paris, voici 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, 20 000 euros pour toi. Votre gouverne, Amadou Gon Koulibaly, paix à son âme, je devais le rencontrer ici en 2018. En 2018, je précise bien en 2018. Amadou Gon Koulibaly, paix à son âme, était potentiel candidat. J'ai reçu la visite des émissaires ici à Paris, émissaires du RHDP. J'ai causé avec le docteur Diaby, le docteur personnel de M. Alassane Ouattara. Il est vivant. Il est vivant. Je sais ce qu'il m'a dit de M. Ouattara. Quand on parle, un homme parle avec des faits. Moi, je ne suis pas vendable. Hein. Moi, là, je suis un travailleur. Moi, je ne suis pas un gueule là, faire vidéo pour dire, je suis dans tel con. Non, non, non. Moi, sur de Paris, là, j'ai reçu la visite du RHDP. J'ai causé avec le docteur Diaby. Les docteurs, les médecins personnels de M. Ouattara, il est vivant. Le monde a parlé. Plusieurs fois, je l'ai dit. Et personne n'a remis en cause mes propos. Si je voulais quitter, là, j'allais quitter. Si je voulais quitter Guillaume Soro, là, j'allais quitter. Parce que j'ai eu proposition. J'ai eu l'argent qu'on m'a proposé, là. Je peux accepter. Vous n'avez rien. Actuellement, là, ceux qui payaient au RADP, là, étaient Amadou Gon et Ahmed Bakayoko. C'est eux là qui misaient l'argent. Si moi j'ai pu résister aux tentations, aux assauts de Amadou Gon, qui était le ministre du budget et du portefeuille de l'État, celui qui avait l'âme du pays là, si moi j'ai pu résister, c'est pas avec des autres là que moi j'ai pris de l'argent. Je mets quiconque au défi là-bas de sortir la preuve. Attention, hein? Je cause avec vos ministres.
Je compte avec tes collègues, pour certains. Oui. Vous voulez que je parle, non? Mais comme je n'aime pas exposer mes propos, mais il y a une personne clé. Dieu s'est mis témoin. Même pas deux semaines. J'ai causé avec une très haute personnalité de Côte d'Ivoire. Mais je ne me suis jamais compromis ni demander un euro. Et je ne le ferai pas. Mais je sais d'où je viens. Je suis un Tagbana. Je sais d'où je viens. Et je suis un enfant des pauvres. Je cause avec des proches des ministres très haut placés de Côte d'Ivoire. Oui. Je cause avec des épouses des ministres de Côte d'Ivoire. Mais je n'ai jamais demandé un euro. Mais je sais où je vais. Mais si je demande, ils vont me donner. Mais si je me suis déjà compromis. Mais je ne suis pas un lâche. Attention. On ne me paye pas. Non. Sous le là, on ne me paye pas. Je fais vidéo de ma voiture. C'est ici mon confort. Je fais vidéo, c'est ici ma maison. C'est ici je dors tranquillement. C'est ici je me lave. C'est ici matin, midi, soir, je me change. Oui, dans ma voiture. Sinon, pour quelqu'un de sensé, peut comprendre que non, que ce monsieur-là, c'est quelqu'un n'est pas qui est vraiment bien, qui n'est pas dans une politique de consolidation. Mais vos ministres-là, je cause avec vos femmes. Je cause avec vos soeurs, avec vos frères. Et je cause avec eux également. Mais ce qui n'a jamais fait changer ma posture, ma position, parce qu'on ne m'achète pas. Donc, Nabade Kone doit comprendre que les fripouilles, les andouilles, les égarés que l'on peut acheter à souhait, parce qu'on va dire, Nabade Kone au téléphone, il faut demander à ton collègue qu'on appelle Mamadou Touré, les ministres de la justice, du chômage, ou bien de l'emploi, là. Parce que l'emploi, là, c'est trop fort pour lui. Mais du chômage, parce qu'il n'a seulement rien produit. Quand lui et moi devait parler au téléphone, là, j'ai refusé, là. Il faut lui poser la question. Je suis un homme de dignité. Moi, sur le Paris, là, j'ai un caractère. Je n'accepte pas certaines choses. Je n'accepte pas les compromissions. Je suis un anticonformiste. Parce que la lâcheté de certains, là, c'est l'argent. Mais moi, je n'ai rien. Je suis pauvre. Mais je n'accepterai pas ce qui vient de vous pour m'acheter. Moi, je n'accepterai pas. Non, mais je n'accepterai pas. Certains de mes proches ont été approchés. Et qui m'ont fait le témoignage que tu es le président de la République de Côte d'Ivoire. Il faut voir les activistes. J'ai été ciblé en cela. Oui, j'ai été ciblé. Parce qu'il faut que ceux de Paris aussi également. Mais moi, je ne vais jamais faire ton lit. Je ne le ferai absolument pas. Jamais. Je le ferai. Si Guillaume Soro n'a pas pu m'acheter là, c'est pas toi qui m'as acheté. Si Guillaume Soro, qui est mon mentor là, n'a pas pu m'acheter, et ne peut m'acheter là. Parce que moi, je suis indépendant, je suis libre. Oui, je vais être libre. Ici, un être libre. Si Guillaume se peut m'acheter, parce que acheter quelqu'un, mais attends, je ne suis pas un animal, ou bien un objet. Donc, on ne peut m'acheter. Donc, ceux que vous achetez là, vous ne leur donnez pas des prébandes là. Ils se connaissent. Les moutons marchent ensemble, n'ont pas le même prix. Et je ne suis pas achetable. Nonobstant, des personnes proches de moi ont été approchées. Et la réponse a été sanglante. Parce qu'ils savent que s'ils acceptent, n'est-ce pas, et moi, on ne peut plus marcher ensemble. Donc, j'aimerais te mettre à l'aise, Nabane Kone, que je n'ai jamais reçu un euro de quelqu'un venant de toi. Mieux, même tes proches des ministres, jamais j'ai reçu. Mais ton collègue pose la question. Kagabé est venu ici à Paris. Il a voulu me voir. Je l'ai envoyé balader. Kagabé, il est vivant. Kagabé, Kwadio Kona Bertin, les ministres de la consolidation voulaient me voir pendant 48 heures. Je l'avais baladé. C'est moi qui l'ai fait ça. Moi, je suis pas un lâche. Je vais pas me cacher, aller prendre l'argent. Non, je ne le ferai pas. Kagabé est venu à Paris. Il a voulu me rencontrer. Il a établi le contact avec, par le témoignage d'un ami proche de moi.
Djeribé est très proche. Demandez à mon ami là si j'ai été. Il est vivant. Je n'ai pas été là-bas. Il m'a dit jusqu'à 4h du matin, il m'attend dans son hôtel. Je n'ai pas été. Moi, je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Donc, je mets ici au défi votre gouvernement que quelqu'un me sorte une conversation où j'ai demandé de l'argent ou bien un message où j'ai pris de l'argent avec quelqu'un. Que me montre la preuve. Il n'y en a pas. Certains vont avec vous et paient de l'argent chez vous. Je le sais. Mais il y a les uns et il y a les autres. Mais moi, sous les là, je n'ai pas pris votre argent. Je n'ai même pas votre argent. Je me suis au défi. Si la tombe de mon père, si la vie de mes enfants, je n'ai jamais pris de l'argent avec vous. Pour manger, pour faire un combat pour vous. Jamais de la vie. Jamais je n'ai pris de l'argent avec vous. Pour faire un combat pour vous. Jamais. Et je ne le ferai pas. Jamais je le ferai. Donc, Nabane Kone, je tenais à vous dire, monsieur le ministre de monsieur Ouattara, que vos manipulations disant que Soule de Paris est payé par certains cadres du RADP pour vous combattre, ce n'est pas ça. Je vous ai combattu à cause de quoi? Je vais vous montrer les preuves. Pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que vous avez voulu me corrompre. C'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez voulu me corrompre pour ne pas que je puisse parler. C'est ça. Le nœud gordien. Le nœud gordien, c'est quoi? Les gens veulent te corrompre et tu refuses. Et après, on retourne contre toi. Mais il y a un monsieur que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Et Dieu c'est le témoin. Si la tante de mon père, je vais l'appeler d'ici maintenant. Parce que vraiment, ça me dérange. Je vais l'appeler ce soir. Que je n'ai jamais vu. Ça fait déjà 3 ans. Je pense que plus que ça. Il vit à Paris. Il m'envoie des messages pour me recevoir chez lui. Je refuse. Je n'ai jamais été là-bas. Même son anniversaire, pour ses enfants, il m'invite, j'y vais pas. Mais j'ai pris son combat sur la toile parce qu'il est victime d'injustice. À cause de millions d'abonnés qu'on est. Comment quoi tu vas être tes ministres et tes milliardaires? Et donc, tout ce que tu vas faire, on doit accepter? Non. Ils ont voulu que je laisse ce monsieur sa communication. Il est vivant. Il s'appelle Touré Boga. Il est là, il est vivant. On va l'appeler. Et que lui et moi, on parle ici en face. Mais c'est à cause de lui que tu dis à tout le monde que moi, j'ai pris l'argent pour te combattre. Je ne l'ai jamais fait. Et je jure ce soir sur la Sainte Bible et le Saint-Coran que je n'ai jamais vu ce monsieur avec mes yeux. J'ai eu à parler avec lui plusieurs fois au téléphone. Mais je ne l'ai jamais vu dans mes yeux. Si je mens, que Dieu prenne ma vie. Je ne l'ai jamais vu. Jamais je l'ai vu. Mais quand j'ai appris que ce monsieur était victime d'injustice, j'ai porté son combat. Namane Kone, j'ai rien contre toi. Je ne te connais pas. Mais ce que tu as fait à ce monsieur-là m'a fait mal. M'a fait très mal. Donc ne crois pas que c'est à cause de l'argent que j'ai fait le combat pour ce monsieur. Pour te salir. Puis que tu le dis que moi j'ai sali ton image. Mais je n'ai pas à le faire. Je t'ai parlé. J'ai alerté. On va l'appeler, c'est mieux. On va appeler le monsieur devant vous. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Partez la vidéo, s'il vous plaît. On va essayer d'appeler rapidement. On va l'appeler. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, mon très cher frère Touré Boga? Oui, par la grâce de Dieu fait grâce, ça va. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, c'est important, devant Dieu, parce que nous allons ici parler, à tout moment en direct. Les Ivoiriens et le monde entier nous écoutent. On est pratiquement à 1500 personnes connectées. On aimerait parler ici avec vous en direct, avec des preuves irréfutables. J'aimerais que vous êtes catholique, musulman ou bien athée.
Je suis musulman. Vous m'excuserez, je ne suis pas un templier, je ne suis pas un homme, je ne suis pas un dévancé spirituel. J'aimerais devant Dieu et devant les personnes qui sont là. Est-ce que vous pouvez jurer devant Dieu de dire la vérité ici devant les gens, sans mentir, s'il vous plaît? Et sur le Saint-Coran? Oui, je mets ma main sur le Saint-Coran pour jurer, voilà. Je suis un musulman, il n'y a pas de souci. Non, ce n'est pas comme ça qu'on parle, monsieur. Vous dites devant le monde entier, je jure. Mais devant le monde entier, déjà, si je jure devant le Saint-Coran, c'est que déjà, c'est devant le monde entier. Le monde, déjà, bon, on peut mentir aux gens, mais si je mets ma main sur le Saint-Coran pour jurer, voilà, c'est que, franchement, c'est la vérité que je vais dire, au fait. Ok, merci beaucoup. J'aimerais savoir, avant de commencer, est-ce que vous me connaissez? Non, on ne s'est jamais vu. Ok. Je ne vous connais pas personnellement, franchement, on ne s'est jamais vu, ouais. On s'est eu au téléphone plusieurs fois, oui ou non? On s'est eu au téléphone, mais on ne s'est jamais vu. Parce que je vous ai invité plusieurs fois, et voilà, dans des cérémonies, bon, chez moi à la maison, l'anniversaire des enfants, mais bon, vous m'avez dit vous allez voir, mais vous n'êtes jamais venu, ben bon, on ne s'est jamais vu de toutes les manières, voilà. Merci beaucoup. Je tenais vraiment à lever cet équivoque là parce que en journée, je vous ai envoyé un message pour vous dire qu'il veut tenir mon image, mais je n'ai pas d'image à sauver. Par contre, il veut m'atteindre à travers toi. Puisqu'ils font croire aux gens que moi, je suis en train de tenir l'image du ministre Bruno Abonné-Koné parce que j'aurais été payé par certaines personnes, par Touré Alpha Yaya, par toi, par Madame Traoré, également certains cadres du RHDP, pour ternir l'image de Abonné-Koné. Donc, ce soir, je vous appelle ici en direct. Oui. Allez-y. Allez, vas-y, mon frère, vas-y. Mais moi, j'ai pas d'argent déjà pour vous payer. Donc, c'est n'importe quoi, parce que moi, j'ai pas de sous pour vous payer. Ça, c'est clair, pour payer une personne, il faut payer sa conscience, il faut payer son image, il faut payer... Il y a plein de choses à payer. Un homme, c'est pas donner de l'argent à une personne comme ça. Mais il y a plein de trucs qu'il faut gérer pour une personne. Voilà, on peut pas payer une personne. Moi, je ne pense pas que vous de Paris, vous êtes quelqu'un qu'on doit payer. Parce que si on devait payer une personne, juste pour une invitation, je crois que vous allez vous déplacer, vous venez chez moi. Parce que je vous ai invité plusieurs fois, mais vous n'êtes jamais venu. Okay. Déjà, maintenant, pour enlever de l'argent pour vous donner encore, là, c'est autre chose, au fait, parce qu'on ne s'est jamais vu. Ok, merci beaucoup. Vous avez affaire aujourd'hui au ministre Bruno Abonné-Koné, vrai ou faux? Oui, j'ai une affaire avec Bruno Abonné-Koné parce que Bruno Abonné-Koné a gâché ma vie, au fait. Ok, merci beaucoup. Passé 25 ans, s'il vous plaît. Écoutez bien le problème. J'aimerais que le monsieur explique ici à vous tous et que Bruno Abonné-Koné écoute que je n'ai pas affaire à lui. C'est parce que ce monsieur a un problème. Il a gâché la vie d'un monsieur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ouais, il a gâché ma vie, ouais. Non, j'ai pas le ciel à l'audimat. Partagez la vidéo. Partagez au maximum pour que Nabané sache pourquoi est-ce que je m'appuie sur lui. Parce qu'il a gâché la vie d'un monsieur, d'un père de famille. Ouais. C'est à cause de lui que j'ai commencé à faire des vidéos pour l'attaquer. L'attaquer au niveau de son travail, pas sa vie. Alors, cher frère, il faut expliquer aux Ivoiriens. Le monde te regarde. Pourquoi est-ce que... Ok. Et quand est-ce que le problème a commencé et je suis rentré dans les dossiers, c'est à travers ce dossier-là qu'elle a commencé à parler de Bruno Abonné-Koné. Donc, chers Ivoiriens, écoutez attentivement ce qui se passe avec M. Touré, avec Abonné-Koné, pour ce pourquoi il m'en veut aujourd'hui. On t'écoute, frère, on t'écoute. D'accord. Où je dis, je répète et je réitère encore, que Bruno Abonné-Koné, le ministre de la déconstruction, a gâché ma vie. Mm-hmm. Parce que je suis en France depuis plus de 25 ans. Écoutez bien. 25 ans par rapport à l'appel du président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, qui a demandé, comment on appelle aux expatriés, aux gens de la diaspora, de rentrer investir en Afrique, à Abidjan. Je suis un Ivoirien, c'est ma terre natale. Je me suis dit que oui,
Franchement, il faut qu'il y ait investi chez moi. Je vais investir chez moi. Avant d'investir, il faut réfléchir pour ne pas tomber encore dans les mêmes choses où dans certains terrains, le terrain est litigieux, le terrain c'est plusieurs personnes là-dessus. Donc je me suis renseigné, je me suis attaché à une société qu'on appelle une société, la société Mourufier. Voilà, la société Mourufier qui construit des maisons et qui les vend. Et qui est une société qui est agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je me suis engagé. Et d'acheter des maisons avec cette société, qu'il y ait un problème, qu'il n'y ait pas de problème, que le ministre se lève par copinage, par une personne qui s'appelle, comment on appelle, Serge Angourin, monsieur, je ne vais même pas l'appeler monsieur, parce que ce monsieur, c'est même pas la même que je l'appelle monsieur, qui est un comptable, un simple comptable, à la, comment on appelle, à la présidence de Côte d'Ivoire, qui est ami avec M. Nabane Koné, qui voit Nabane Koné, parce que c'est construire des studios qui font face à celui, il m'a dit qu'il allait les casser. Il est passé par tous les moyens. Parce que c'est son ami qui est Nabane Koné. Nabane Koné a donné l'ordre de venir détruire mes maisons en face de ce monsieur. Les maisons étaient habitées. Quel que soit le problème, je pense que c'est la justice qui doit donner, comment on appelle, vous m'attendez, j'espère. Allô, vous m'écoutez? On t'écoute très bien. Voilà, je pense que c'est la justice qui doit donner une ordonnance pour aller détruire une maison. Mais ça n'a pas été fait. Les maisons étaient habitées. Nabane Koné a envoyé un monsieur qui s'appelle Capitaine Picard, qui travaille au ministère de la Construction, qui est venu à 11h du matin. Les locataires n'étaient pas là. Il a démoli les maisons. Le temps qu'on m'appelle que j'arrive, monsieur Picard avait déjà cassé deux maisons. Sur les effets personnels, je vous dis, des locataires. Je me dis, même si on construit sur une voie, une route, n'importe quoi, quand même vous venez démolir une maison, quand même il y a un préavis, on passe vous voir, on vous donne un document pour dire ce que vous avez fait n'est pas bien. Bon, on vient démolir ou bien on vient casser votre maison tel jour. Tu prends tes précautions, tu demandes au locataire de partir, voilà, il y a tel problème. Mais ça n'a jamais été fait. Le monsieur, il est venu. Quand je suis arrivé, quand on m'a appelé, le temps que j'arrive, il avait cassé deux maisons. Or, c'est un terrain qu'on m'a vendu. Ce n'est pas à M. Touré seul qu'ils ont vendu ce terrain. Ils ont vendu ce terrain à plusieurs personnes dans la cité. Mais comment se fait-il que c'est moi mon terrain et en face de M. Angourin, qui est M. Angourin Serge, qui travaille à la présidence, qui est son ami qui n'a pas le connaît, comme lui-même l'a dit. Moi, je ne sais pas si c'est son ami, mais c'est lui-même l'a dit que c'est son ami. On vient détruire les maisons sur les effets personnels de mes locataires. Ça, je ne peux pas digérer. Je demande à Capitaine Picard, est-ce qu'il peut marquer un arrêt, puisqu'il a déjà passé deux. Il m'a dit, on lui a demandé quel document il a. Parce qu'il faut un document pour venir détruire une maison. Jusqu'à présent, je n'ai même pas eu un document, un papier signé par n'importe qui. Il m'a dit que la décision vient de Nabane Koné, qu'il a envoyé pour venir casser les maisons. Donc, on n'a pas besoin de documents pour me remettre. Vous comprenez, quand je dis Nabane Koné a gâché ma vie, c'est pas moi seul qui l'a gâché ma vie. Nabane Koné a gâché la vie de 8 locataires qui étaient sortis à 11h du matin. Comment on peut se lever, venir détruire des maisons sur les effets personnels des gens? Je dis que la Côte d'Ivoire part en route et je le redis. Je ne peux pas conseiller quelqu'un actuellement d'aller investir en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Ce ministère est pourri du haut en bas. Ce ministère est pourri du haut en bas. Il y a une dame que je vais remercier ce soir qui s'appelle le Woroba, comment on appelle, la lion du Woroba, qui a fait une enquête, qui est allée au ministère de la Construction, qui a fait toutes les enquêtes. Même les personnes qui travaillent au ministère de la Construction ont dit que madame, on ne peut pas parler ici. On est musé. C'est-à-dire, tu fais une erreur, on te renvoie de ton poste.
Nabale Kone a envoyé la personne pour casser. Il a dit à cette démolition de faire des photos pour l'envoyer qui prouve que les maisons étaient cassées. Mais pourquoi il prend? Et ce n'est même pas Abidjan, c'est à Bassam. Comment ce monsieur peut s'imprégner dans cette affaire si Angoura Serge n'est pas son ami? Si Angoura Serge n'est pas une connaissance à Nabale Kone? Nabale Kone ne me connaît pas. Parce que je suis 25 ans en Europe, 25 ans de souffrance, 25 ans de privation de mes enfants, de tout. Tu vas dans ton pays, tu vas dans ton pays natal, pour comment on appelle, pour investir, et on vient te faire ça. Ce monsieur a gâché ma vie. Ce monsieur a gâché la vie de 8 personnes. Ce monsieur a menti sur le site du ministère de la Construction en disant que moi, ils m'ont convoqué et que moi, M. Toué, j'ai signé un document qui leur donnait l'ordre, qui leur accordait que j'étais d'accord pour qu'on vienne détruire les maisons. Vous pouvez réfléchir. Quelqu'un qui met 160 millions dans des constructions, lui va signer un document pour permettre qu'on vienne détruire ses maisons. Or, la date que Dieu n'est pas un Dieu, Dieu est un Dieu de justice. La date qu'ils ont mis sur le document du ministère de la Construction, cette date m'a trouvé à Genève. Comment quelqu'un qui peut être à Genève peut venir, peut signer un document pour permettre qu'on vienne casser ces documents? Vous voyez comment Dieu fait avec les trucs? Je suis venu à Abidjan, j'ai mon passeport avec moi. J'ai fait une vidéo pour un certain Nabale Kone. S'il vous plaît. Mon frère, je n'étais pas à Abidjan. Mon frère, tu parles de la Suisse. Voilà. Je vais faire stop. Pour publicitaire, partager la vidéo, c'est important. Le monsieur explique son désarroi. Il explique ce qu'il vit. Il a tout perdu à cause d'un ministre de M. Ouattara. Ce ministre prétend que moi, je ternis son image sur la toile. Et il veut corrompre certains de mes proches. Et il répand sur la toile que moi, sous les, j'aurais reçu de l'argent pour faire d'abonné bashing. Mais je n'ai pas attaqué d'abonné Kone à cause de quoi? Je l'ai attaqué à cause de ce monsieur que je n'ai jamais vu, que je ne connais pas. Et j'ai juré devant Dieu et sur ma vie. Mieux, il m'a invité plusieurs fois. Je n'ai jamais été là-bas. Mais ce monsieur, sa vie est brisée. Je vous montre les images. Reste en ligne. Je vous montre les images. Parce que j'ai les preuves. Tiens ta ligne. Parce que je suis un communicant. J'ai les preuves. Vous allez voir ici des images. Pendant qu'il est connecté, il est en pause actuellement. Vous allez voir des photos, des vidéos où le monsieur, sa vie a été brisée. Par qui? Par le ministre Nabale Kone. Et donc, quand je parle là, bien sûr, je parle ici avec des preuves. Frère, deux secondes, je vais ici montrer aux Ivoiriens qui nous regardent les preuves implacables, irrévocables d'une situation que vraiment seuls les monstres peuvent admettre cela. Ne quittez pas. Je suis en train de... Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que j'ai envoyé les photos et les vidéos. Voilà. Les photos sont là et les vidéos pour que personne n'ignore. Voici sa maison qui est là, Abidjan. Vous allez voir. Vraiment, c'est malheureux. Parce que l'Africain est méchant. Et quand on parle du nom, et sur les paris, a fait comme ci, comme ça. Mais oui, je t'ai attaqué parce que tu es quelqu'un de cruel et de monstrueux. C'est parti. Vous allez voir ici devant vous, en face. Regardez ici là. Ici là et maintenant. Regardez ici, je tourne la caméra. Voici les publicités, la giga là. Mon frère, il faut pas bloquer ça. Ça c'est le... Voilà. Regardez ici. Voici mon téléphone qui est là, en face de vous. Je vais avancer ici la caméra. Vous allez voir. On va ici voir des photos et des vidéos. Voilà, regardez ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voici le monsieur. Voici sa maison en Côte d'Ivoire. Sa maison. Sa villa qu'il a construit à Abidjan. Sa villa à coût de millions. Voilà. On va avancer. Regardez bien. Il a fait des interviews en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Modeste.
entre guillemets, route de Grand Bassam, 8 maisons détruites, des familles jetées à la rue. Moi, j'ai porté le combat là. C'est-à-dire qu'il a fait même en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai porté. Je ne le connais pas, mais c'est un frère. Je ne l'ai jamais vu. Et je n'ai pris un centime pour, avec lui, pour lui dire que sous les, où j'allais manger sur la maison, ben, j'aurais faim. Mais même s'il est faim, il va me donner à manger. Mais j'ai pris ce combat pour lui. Ben, tu as brisé sa vie. Regardez ici là. On va continuer. Regardez ici. Voici le monsieur qui est là. Monsieur Angoran Serge. Le monsieur qui est à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait que ce monsieur a tout perdu. Il était ici en France. Il est ici en France. Un monsieur handicapé. Un monsieur qui a pris son argent pour aller investir au pays. Les contacts de la présidence a usé de son amitié avec Bruno Dabane Kone. Ils ont cassé tout. Envoie-moi les photos, s'il te plaît. Les photos de ta maison à Abidjan. Regarde la maison. Envoie les photos, s'il te plaît. Les photos de la maison. Les photos en même temps. Sur la page. Sur mon WhatsApp. Voici la rentrée de sa maison. On voit l'intérieur de la maison. Regardez ici. Voici la maison. Elle a été détruite. Vous voyez? Voici la maison. La devanture seulement. Regardez. La devanture est là. Regardez ici. Vous voyez? Vous voyez ici? Avant les photos de la maison, c'est les photos de l'autre côté. Vous voyez? Voici une vidéo qui est là. Je vais montrer une vidéo. Regardez la vidéo. J'ai une vidéo qui est là. Je vais montrer une vidéo de la maison. C'est important. Une vidéo de la maison. Qui est dans les fichiers là. Deux secondes. Une vidéo. Envoie-moi les photos, s'il te plaît. Envoie-moi les photos, s'il te plaît, de la maison là. Voilà. C'est bon. Vous voyez ici la devanture? Touré. Monsieur Touré, oui. Vous pouvez nous envoyer encore des photos de votre maison là, s'il vous plaît, pour que les Ivoiriens voient. Ok, je vous envoie. Non, mais non, ne coupez pas la communication. Parce que je vais montrer à Dabane Kone pourquoi est-ce que je suis contre lui, pourquoi je le combat. C'est à cause de ça. C'est à cause. C'est la justice, vous parlez de. Normalement, c'est normal que vous soutenez les personnes qui n'ont pas de voix. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, mais qui se taisent, qui sont à Abidjan, qui disent oui, voilà, si je parle, voilà, non, mais moi je peux pas me taire, parce que j'ai pas volé pour aller construire Abidjan. J'ai pris un prêt, malgré mon handicap, j'ai pris un prêt, je suis cadiaque du cœur, à plus de 80%, j'ai des enfants, donc au moment où ils cassaient mes maisons, je peux faire une crise là et mourir. Mais Dieu est un Dieu de justice. Dieu m'a permis de rester et de faire ce combat. Et je ferai de ce combat jusqu'à mon dernier souffle. Et je n'ai pas arrêté. Parce que je suis dans ma vérité. Ce Dabane Kone a gâché ma vie. Ce monsieur a gâché la vie de 8 locataires. Parce qu'il y a une dame qui est sortie. La pauvre dame. Avant qu'elle n'ait dit, ils ont tout cassé. Elle est venue. Elle est tombée. Elle a plus de près de 60 ans. La plus âgée des locataires. Elle dit, monsieur Touré, je suis d'une femme maudite. Je suis maudite, c'est à cause de moi, ils ont cassé ta maison. J'ai eu 37 ans de mariage, je n'ai pas eu d'enfant. Je suis venu me casser dans ce studio. Ils sont venus tout détruire, même un souvenir de mes parents défunts. Je ne peux même pas quitter avec un souvenir de mes parents défunts dans cette maison. C'est que je suis une femme maudite. Vous pouvez comprendre la douleur d'une femme qui n'a pas eu d'enfant. Le mari l'a lâché, qui est venu se cacher ici, se cacher dans un studio, pour venir détruire tout. Même son chargeur de téléphone, elle ne peut même pas récupérer. Mais Dabane Kone, mais on ne peut pas te soutenir dans du mensonge. Et ce que j'ai dit. Monsieur Touré, pendant que vous parlez, votre vidéo est en train de monter en direct. La vidéo des runes. Oui, c'est pas la vidéo. Voilà. C'est pas la vidéo. Voilà. Allez-y. Allez-y. Continuez. On vous écoute. Comment vous voyez ça? Vous allez voir les effets des personnes sous ces décombres. Lui qui est venu casser les maisons, il s'appelle Capitaine Pitard. Il est venu même pas avec un doc.
que je vous répète ce que j'ai dit. Le temps que moi m'appelle que je viens, j'en ai cassé deux sur les huit. Je l'ai simplement demandé. Et c'est l'audio qui est là. Et l'audio, heureusement, la personne qui était moi a comment on appelle, a enregistré l'audio. Est-ce que l'on peut avoir, est-ce qu'on peut avoir l'audio là? Est-ce qu'on peut avoir l'audio ici? Je vous envoie l'audio. Oui, il dit c'est Navano Connect qui l'a envoyé. Il faut nous envoyer l'audio maintenant. Parce qu'il est ici. Il me dit qu'il ne peut pas gâcher ses 19 ans de carrière. Je vais le déconstruire, dis donc. Abuser le pépé, il a dit pour ça là. 160 millions. Lui. Capitaine Picard me dit que je n'ai pas gâché mes 19 ans de carrière pour ça là. C'est le ministre. Monsieur Touré. Monsieur Touré, l'audio il est où? L'audio est où? Il faut qu'en exclusivité on écoute l'audio. Ou bien je me trompe. On écoute l'audio ou pas? On écoute l'audio? L'audio il est où? On veut savoir c'est où? Je vous envoie l'audio. Attends, tu as le téléphone. Attends, je cherche. Attends. Voilà, parce que j'ai deux téléphones là. Attendez. Pardon. Je cherche l'audio. Je vois ici mon très cher frère Ibrahim Traoré qui m'a écrit. Je vois également ma jeune soeur Afoussi. Ah oui, là c'est la militante de Bordeaux. Je vois également mon très cher frère Panef. Je vois également. Si vous voyez ça, vous m'avez écrit. Après, je vous appelle, s'il vous plaît. Je vois également ma mère. Ma mère, oui. Bon, je vous appelle plus tard. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Depuis Bordeaux, notre soeur, nous avons une militante importante là-bas au niveau de Bordeaux qui fait un travail important parce qu'elle fait un mariage là-bas. Et je vois également Mireille Saki qui m'a écrit sur WhatsApp. Tout à l'heure, je vous appelle. Merci beaucoup. On veut l'audio parce qu'on veut les preuves. On veut les preuves, c'est important parce que moi je ne joue pas avec les preuves. Je vous envoie le premier. Regardez, j'ai le premier audio qui est là. Je viens. Je vais prendre le matos dans le corps parce qu'on va mettre sur l'autre téléphone pour qu'on sorte au niveau d'information. C'est pas bon. Je vais lui montrer le feu. Je n'invente rien. Non, tu dois être. Je n'ai rien inventé. Lui qui est venu café, vous allez écouter ce qu'il dit. On va prendre le matos dans le coffre là, 2 secondes. Il demande que me soutenir de ce que je marque un arrêt. Il lui dit pourquoi mes locataires, je lui ai même pas dit, il n'est plus cassé, puisque je sais qu'il est venu pour casser. Je lui ai simplement dit, marquez un arrêt, et il le dit lui-même. Allez, je vous écoute, 2 secondes, je cherche d'abord le petit bap là. Je viens d'envoyer le premier auto, je vais vous envoyer le deuxième. On va envoyer tout. On va s'occuper de lui. Voilà, on a trouvé. On a trouvé les baffes. Les baffes sont là. On va connecter celle-ci. On va écouter de l'autre côté. On fait le travail propre. On est avec lui. Donc, vous avez envoyé l'audio. On va sortir maintenant notre deuxième haut-parleur pour qu'on puisse écouter tout ensemble. Bien. Voilà, on va écouter tout. Voilà. Bluetooth. On va mettre le Bluetooth maintenant ici. C'est parti. Voilà, on y va. On ne joue pas avec le fraponnage. C'est pas de l'amusement. Donc on y va. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On va mettre l'audio ici en direct. Devant tout le monde. Pour que les gens voient. Sur le deuxième Bluetooth. C'est trop facile. Parce qu'ils vont jouer avec moi. Philippe Bluetooth. On va Philippe Bluetooth. 1, 2, 3. On y va. Adama. Ah. Je vous envoie les deux audios. Vous allez écouter. Lui qui est venu casser, qui s'appelle Capitaine Picard, qui a été enregistré. Ce n'est pas les trucs qu'on invente. J'ai dit, j'étais sidéré. Attends. On a un problème. Il y a double connexion. Donc on va enlever la. Je viens de ce côté. On va gérer tout. On va juste régler les choses. Comment ça s'est passé? Donc maintenant, tu as mis l'audio ici. Voilà. Il y a deux audios. Donc, on va couper ici l'audio de ce téléphone-là. Et je reprends sur l'autre numéro de téléphone. 2 secondes, hein. On va faire le choc.
partagez la vidéo, parce qu'il y a des audios à écouter. Vous voyez, Nabane connaît, les preuves sont là. C'est que nous, on ne ment pas. Hein. On n'invente rien. On ne ment pas. On n'a pas inventé les preuves. Hein. On va maintenant transférer les audios sur notre téléphone portable pour que les gens puissent écouter. Voilà. C'est important. Voilà one qui est là. Voilà un qui est là. Voilà deux. Voilà trois. Voilà quatre. Voilà. Non, il y en a deux. En fait, j'ai envoyé deux fois. En fait. Il y a un qui fait. Ah, c'est pas les mêmes choses. Trois minutes. Et l'autre. Donc, c'est bon. Donc, je vais transférer sur mon autre téléphone. Il y a 3 minutes 41 et il y a 3 minutes 48. Il n'y a pas de souci. Je vais gérer ça. Donc, ce que je vais faire ici. Voilà. Très bien. Donc là, j'ai déjà téléchargé. Donc, tu me permets ici, donne-moi quelques secondes. Je vais te prendre sur l'autre numéro de téléphone et puis on connecte sur l'autre. Ok, c'est bon, c'est possible. Merci. Voilà. Maintenant, on va écouter vous et moi ensemble. C'est important parce que ici, là, personne ne va mentir ici. Voilà. Je vais enlever ici la connexion Bluetooth. Disconnected. Voilà, je mets la connexion Bluetooth sur la voiture maintenant ici. On appelle ici M. Touré ici. Et puis on met l'autre ici. C'est tout. Ah, Joe. Je suis un technicien, mon frère. Je vais vous monter le feu. Bitani Yamai. Partez-moi la vidéo là. Quand tu m'as trouvé. Qu'on abandonne le connaît. Toi, tu mets tes frères en souffrance. Et moi, je parle. Tu oses me dire que non, que moi, je t'ai fait quoi? Que moi, il garde ton nom sur Facebook. Ah, ok. Partagez la vidéo, la sauce. Ah, d'abord. Je vais pas laisser comme ça, c'est trop facile. Connected. Thank you very much. Bon, regardez ici, là. Écoutez l'audio. Écoutez l'audio ensemble, écoutez. On a dit avant que celui qui t'a fait naître soit la paix, avant qu'après avant que tu n'arrives et quitte le ministère. Qui t'a dit ça, qui fait ma paix? Lui qui m'a dit, il dit, maman, vous voyez, café, à soi, mon fils. Café, je parle devant lui, si un directeur t'appelle, il est ce soir, et après nous l'appeler. Depuis, je suis la main avec quelqu'un qui m'appelle. Et bien, ça dépend de ce qu'ils ont dit. Donc, on est en nous, il faut qu'il t'explique. Il ne faut pas s'arrêter sur la tête. Il veut si le ministre appelle un directeur du cabinet. Ou bien quelqu'un dit, le cabinet a quitté, ils vont appeler mon patron, rapidement pour m'appeler. Mon directeur a appelé même pour me dire, est-ce que c'est à quel niveau? Il me dit de balancer. Je l'ai balancé l'avancement des démolitions. Tu comprends que ça lui dépasse. Merci beaucoup. Si c'est problème, ça, c'est bon. Merci beaucoup, Capi. Écoutez bien, le ministre a demandé. On va l'écouter. Écoutez. On a dit avant que celui qui t'a fait naître soit l'appeler avant qu'après avant que tu n'arrives et quitte le ministère. Qui t'a dit ça, qui fait m'appeler? Lui qui m'a dit, il dit, maman, vous voyez, café, à soi, mon fils. Café, je parle devant lui, si un directeur t'appelle, il est ce soir. Et après, nous l'appeler. Et puis, j'ai la main avec quelqu'un qui m'appelle. Eh bien, ça dépend de ce qu'ils ont dit. Ok. Maintenant, écoutez encore deuxième audio. Écoutez, l'envoyer deux. Hein. Écoutez, on parle du ministre. Hein. On a dit avant que celui qui t'appelle naître soit l'appeler avant qu'après avant que tu n'arrives et quitte le ministère. Qui t'a dit ça, qui fait m'appeler? Lui qui m'a dit, il dit, maman, vous voyez, café, à soi, mon fils. Café, je parle devant lui, si un directeur t'appelle, il est ce soir. Et après, nous l'appeler. Depuis, j'ai la main avec quelqu'un qui m'appelle. Eh bien, ça dépend de ce qu'ils ont dit. Voilà. Le ministre a donné l'ordre. Nabane Koné a donné l'ordre. Monsieur Nabane Koné, écoutez. Mais, on a dit avant que celui qui t'appelle naître, il faut l'appeler avant qu'après, avant que tu n'arrives et quitte le ministère. Oui. Qui t'a dit ça, qui fait m'appeler? Lui qui m'a dit, il dit, maman, vous voyez, café, à soi, mon fils. Café, je parle devant lui, si un directeur t'appelle, il est ce soir. Et après, nous l'appeler. Et puis, j'ai la main avec quelqu'un qui m'appelle. J'informe Nabane Koné que j'ai la photo, j'ai le nom de celui qui a enregistré. C'est important, j'ai tous les éléments qui sont avec moi.
Et donc, quand j'ai eu les éléments de preuve, quand j'ai eu ce qui est factuel, j'ai décidé d'attaquer. Et quand j'attaque, c'est insuffisant. Mais le monsieur a tout perdu. Regardez vous-même. Regardez ici, regardez. Regardez sa maison. Mais c'est important parce que les gens parlent beaucoup. Non, sur les paris a été payé. Pour te... Toi, t'es qui? Toi, tu n'es rien. Qu'est-ce que moi j'ai appris de toi? Regardez, regardez la maison du monsieur. Qu'on a abandonné le poney. Toi, t'es qui? Regardez ici. Regardez. Ils sont venus détruire. Regardez. Ils sont venus détruire la maison du monsieur. Regardez. Ils ont cassé pour rien. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. C'est méchant. Ça fait mal. C'est méchant. C'est méchant. Ça fait très mal. Faites la vidéo, s'il vous plaît. C'est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. On va l'appeler là. On va l'appeler. On va l'appeler. L'heure est grave. Sa maison est grave. Écoutez bien. On va l'appeler. Une maison, il a des pas. Allô, mon frère. Hello. Comment tu vas? Allô. Comment tu vas? Allô, faut couper. Allô, faut couper l'audio là-bas. Faut couper là-bas. Allô, faut couper la communication de ton côté. Allô, allô. Oui, désolé, désolé, désolé. Voilà, vas-y, on t'écoute tranquillement. Coupe la communication de ton côté. C'est bon. Okay. Maintenant, je vous ai envoyé le dernier. Comment on appelle je vous ai envoyé. Mon frère, il faut dernier, expliquer aux Ivoiriens. Comment on appelle? Voilà, il faut écouter où le monsieur dit c'est Nabadé. C'est la construction qu'il a. Attends, il attends. A dit, quand il disait, il dit, il envoie Picard. Si jamais il y a quelqu'un qui s'impose, quand Mourou, comme on appelle le Picard, le capitaine Picard arrive, il dit. Construction. C'est ce que Picard est en train d'expliquer. Oui. Picard dit. On l'a envoyé, le ministre l'a envoyé. Si jamais il y a quelqu'un qui intervient, le temps qu'il arrive au ministère, il n'a qu'à lui dire, la personne qui a intervenu pour l'appeler, pour lui dire, ne casse pas là. On vit la personne du ministère de la Construction. Mmh. Ouais. C'est ce qu'il disait. Et de fait, à chaque fois, des photos pour l'envoyer. Donc, je vous ai envoyé, comme on appelle le dernier audio là. Écoutez ça, où Picard dit que c'est le ministre Nabane Kone qui l'a envoyé pour casser. Ça, c'est le dernier audio que je vous ai envoyé. Quel audio, s'il vous plaît? Je viens à peine de vous envoyer ça. Ah bon? Le dernier que je vous ai envoyé, écoutez. Le dernier audio. Il dit le nom de Nabane, le ministre de la Construction. Il dit le ministre qui nous envoie le nez cassé. Sans aucun document. Attendez, rien. attendez, parce qu'on n'a pas encore reçu ça. C'est lequel? Voilà, je viens de vous envoyer. Écoutez, vous allez voir, le dernier que je vous ai envoyé. C'est quel numéro? Là maintenant, ok. 3 minutes 40, c'est ça, non? C'est ça. Ok, est-ce que vous pouvez couper de l'autre côté pour qu'on puisse progresser Ok, je coupe tout de suite. Merci beaucoup. Voilà. On va écouter ensemble. C'est important parce que nous sommes dans les preuves matérielles. Nous sommes dans un frappant anthologique. Nabane Kone, ce monsieur qui a brisé sa vie. C'est un père de famille. Ici en diaspora, on souffre. L'argent est difficile à trouver. Je n'ai rien contre votre personne. Parce que vous êtes un père de famille, un grand-père, un papy. Mais votre comportement, votre attitude politique a été sans gants, sans retenue. Ici en France, les gens souffrent. Ils souffrent quand ils se lèvent le matin pour aller travailler. Qui plus est, je vous dis, économiser ici est très difficile, est très dur. Ce monsieur, en tant que Côte d'Ivoire, vous avez brisé sa vie. Voici l'objet de mon acharnement contre vous. Je n'ai jamais, aucunement été payé pour vous faire du Nabane bashing. Vous importez à qui? À qui? À moi? Non. Non. Cher monsieur, non. Je n'ai rien contre vous.
Et personne ne m'a payé contre vous. C'est le dossier là qui a fait que j'ai décidé de faire de vous mon sous-gras. Parce que vous êtes quelqu'un de, n'est-ce pas, d'immonde. Inhumain. Et vous êtes, ma foi, infâme. Vous frisez, n'est-ce pas, l'humanité. Quelqu'un, les femmes qui sont en Europe, les hommes qui sont en Occident, en diaspora, ils savent. C'est lever tôt ou bien tard, l'après-midi, travailler comme un forçat. Payer son loyer, se battre et aller prendre un prêt à la banque ou bien la sueur de son front, les tontines. Et tu vas construire une maison au pays, des maisons, près de 160 millions de francs CFA. Et toi, tu te lèves un jour, ben ton ami est content à la présidence. Il trouve que les maisons le dérangent et tu viens casser sans procès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision de justice. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas eu de décision de justice qui vient motiver l'acte que tu as posé. Mais tu es un brigand, cher monsieur. Tu es un bandit qui doit combattre. Oui, et de combat à justice. Parce que ce que tu as commis comme acte de quelqu'un qui a souffert en Europe et qui va investir au pays, par ton ami qui était un petit poltron couché à la présidente comptable, il vient te dire de casser la maison de quelqu'un et tu casses. Et tu veux que je me taise? Voici l'objet. Il n'y a pas eu de compromission. Il n'y a pas eu de corruption. Il n'y a pas eu d'argent donné. C'est ça que je combats. Mais tu n'es pas juste. Dans un pays normal, tu dois être mis aux arrêts. Mais tu t'es prévalu de ton titre de ministre et tu as fait mal à un citoyen ivoirien. Tu as fait mal à notre frère. Tu as fait mal à un jeune qui se bat. Tu es un malfrat. Et tu es comment pour ça? Rien à voir avec les considérations. On t'a payé. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de payer qui? Je ne suis pas vendable, je ne suis pas un objet, je ne suis pas une marchandise sur le marché. Mais tu es un malfrat tout simplement. Donc tu seras traité comme tel. Ok? On y va. On va essayer d'écouter l'audio. On y va. Oui, oui. En fait, c'est l'un de mes amis là. Mmh. Voilà, donc il vient de m'appeler pour m'exposer un peu la situation. Mmh. Voilà, il arrive à la destruction. Il faut partager la vidéo. Il faut dire à Namale Kone que j'ai des amis, des proches qui sont proches de toi. Mais je n'ai rien contre toi. Mais l'acte que tu as posé ne me plaît pas. C'est criminogène. Écoute l'audio là. J'ai des preuves que tu n'as pas. J'ai des preuves que toi tu n'as pas. Donc son nom est à cause de ces preuves là que je m'acharne sur toi. Mais tu n'as pas été juste. Tu as été injuste. Écoute l'audio. Que toi tu as envoyé quelqu'un pour aller casser la maison de quelqu'un qui l'a dépensé près de 200 millions. C'est pas normal. Si qu'elle passe. Alors, il faut arrêter ça. Quand on parle, non, on a payé sous l'œil. Vous pouvez t'attaquer. T'as de qui, toi? Dis donc, fiche les cas, dis donc. Oui, oui. En fait, c'est l'un de mes amis, là. Mmh. Voilà, donc, il vient de m'appeler pour m'exposer de la situation. Mmh. Voilà, relative à la destruction en cours de son bien. Hein. Mmh. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai eu à l'écouter d'abord. Mmh. Pour comprendre davantage. Je disais ici, on est en train de l'air. Voilà, donc on va expliquer un peu. Mmh. Alors, j'ai voulu aussi échanger avec beaucoup davantage. Il m'a dit que vous lui avez ici à l'agent qui appelait. À la fois pour demander du sujet. Allô, vous avez dit? Je parle. Allô? Oui, vous avez dit? Et l'échange avec vous, vous voulez échanger avec moi? Oui, effectivement. Hein? Alors, en fait, je voulais en comprendre davantage sur l'inflation et autres, tout ça. Hein? Non, je vous dis, on est tous du ministère. Je suis capitaine major Picard, je suis de la brigade du ministère de la Constitution. Écoutez bien, il faut dire à Namale Kone de faire gaffe. Dites-lui, parce qu'il n'intéresse personne, mais parce qu'il est misérablement assis
dans son ministère et il envoie des agents semer la misère aux gens. Il se présente comme étant le capitaine. Il dit son nom et prénom. Est-ce qu'il n'est pas avec vous là-bas? Il était enregistré et qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? C'est vous qu'on combat. Cette bande de prévaricateurs, de malfrats et de bandits. On écoute ce qu'il dit. Le capitaine va se présenter. Il va dire que c'est toi qui l'as envoyé. C'est au nom de ça que moi je te combats. Tu n'oses rien contre toi. Je te combats parce que tu prends tes titres, ton titre de ministre. Quel est tes titres au pluriel? Des gens de Ouattara et donc chouchou de la nation, ministre, n'est-ce pas, du gouvernement Ouattara, dont tes titres pour faire du mal aux Ivoiriens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout. Sinon, moi, je n'ai rien à foutre de toi. Ok? On y va. Écoute ce qu'il va dire. Qu'on a bandé cogné. Ça pas, non? Allô, je vais allô. Oui, vas-y. Et l'échange avec vous, l'échange avec moi. Oui, effectivement. Alors, en fait, je voulais en comprendre davantage sur l'inflation et autres, tout ça. Non, je vous dis, on est tous du ministère. Je suis capitaine major Picard, je suis de la brigade du ministère de la Constitution. Oui, capi. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ah, bien, merci. Lui, écoutez-moi bien, moi, je suis plein. Oui. Pas moi, oui. C'est portable. Oui. Oui. Je me demande si je peux marquer un arrêt. Les gens vont intervenir. Quand m'appelle, si je peux les suivre. Moi, effectivement, si ma hiérarchie me demande de quitter, moi, je quitte. Maintenant, oui, qu'est-ce que je fais? Qu'on dit à tenir? Non, non, en fait, là, moi, je vous appelle. Oui. Voilà, c'est pour voir avec vous. Parce qu'en fait, comme il dit, c'est hier qu'ils ont mis à détour sur le pied. Allô, allô. Non, faut pas. Oui, allô. Quand tu dis, c'est pour voir avec vous, moi, je fais quoi? Je veux voir avec vous. Non, je veux qu'on est entre nous. Faut être explicite. Quand moi je dis qu'on est avec vous, on est entre nous, en fait, c'est de voir avec vous. C'est de voir dans quelle mesure on peut s'entendre. On va s'entendre comment? Non, en fait, la démolition. Pardon? C'est-à-dire que je suis sur la démolition, parce que lui, son objectif là, c'est de suivre la démolition. C'est tout. Oui, effectivement, c'est dans cette même là. Moi, je peux suivre une démolition là. Et une autre démission signée par le ministre de la Constitution. Non, moi, je ne vous appelle pas. Est-ce que moi, je peux suspendre l'autre démission signée par le ministre? Il a dit ici. Hein. Le monsieur est là. C'est toi qui as signé l'autre démission pour aller casser maison de monsieur. Et tu veux qu'on te fasse quoi? Des omelettes? On te chouchoute? Pète un bébé gâté? On va t'asseoir dans Bané Koné? Ah bon? Donc comme un bon toutou, on va caresser quoi? C'est ça non? Tu as signé haute démission pour aller casser la maison de quelqu'un. À cause de ton ami, qui est content à la présidence. Un Ivoirien qui n'a pas de relation. Moi je combats cet acte là, c'est tout. Est-ce que tu as donné le mauvais message là? Écoutez. On va s'attendre comment? Non, je suis sur la démolition. Pardon? C'est-à-dire que je suis sur la démolition parce que lui, son objectif là, c'est de suivre la démolition. C'est tout. Oui, effectivement, c'est dans cette même là. Moi, je peux suivre la démolition là. Une autre démission signée par le ministre de la Constitution. Non, moi, je ne vous appelle pas. En tant que le ministre de la Constitution. Voilà. Voilà, moi, peut-être vous ne voyez pas mon visage. Non, moi, je connais. Voilà, mais moi, je vous connais bien. Quand je parle, je donne mon nom. Voilà, effectivement. C'est que tu me connais. Voilà, effectivement. Voilà. Écoutez-moi bien, je vous dis. Oui. C'est un dossier signé par le ministre. D'accord. Quand je dis que nous, tu nous connais, nous, on est procédurier. Quand c'est le ministre qui nous donne l'ordre. Oui, effectivement. Pour que moi, j'arrête. C'est que c'est le procédurier qui doit me demander d'arrêter. Oui, je suis là-bas avec 19 ans. Il n'y a pas de démolition. Moi-même, je n'ai jamais accepté un directeur médical qui arrête. Écoutez. Nous, on est. Tu comprends comment on travaille? Un supérieur, il me dit
va, je t'envoie avec un autre émission. Et puis même mon directeur qui a la brigade avant me dit qu'il faut quitter. Voilà. C'est qu'il a reçu des décisions, il m'a dit qu'il vient. Voilà. Mais toi, tu es avec moi là-bas. Et puis ton frère a un problème. Tu vois, tu dis, qu'est-ce qu'il dit? Bon, je vais voir comment on va voir avec lui, comment on peut s'attendre. Tu es en train de me dire d'arrêter, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas casser ma carrière pour ça là. Voilà. Je ne sais pas devant lui, hein. Pourquoi tu es demain, il a dit non. Capé a fait démolir déjà de mettre sa vie. Si il m'a mis ça, ce dossier là, si il m'a mis, je casse ma carrière. Voilà. Si j'arrête, je casse ma carrière. Parce que Nabaré connaît qu'à signer la décision. Donc toi, tu veux que je te caresse, cher monsieur. Dans tes petits souliers, sur les paris, m'attaque, il te dit mon image. Mais tu es malfrat au col blanc. Tu vois comment tu es indécent, comment tu es malpropre. C'est-à-dire que toi, tu signes des ordres de mission pour aller briser la vie des gens. Et tu veux que moi je vienne ici pour lire ta vie. Et tu as payé des gens pour faire ta communication. Mais tu es malade. Mais tu es malade. Tu es vraiment malade. Tu brises la vie de quelqu'un qui a fait des années en Europe. Et tu veux que moi je vienne ici parler bien de toi. Mais tu es malade. Tu es fou. Et tu envoies les gens pour dire non, cela a été payé pour te salir. Jamais on va me payer pour te salir. Mais tu es d'abord sale. Est-ce qu'on peut salir la boue? Est-ce qu'on peut salir la poussière? Est-ce qu'on peut salir la poubelle? Mais tu es une poubelle. Merdeux. Qu'on offre sous les paris, on les paye pour venir m'attaquer. Toi qui? Tu es déjà sale. On fait quoi avec toi? On va te voyer venir m'attaquer. Je vais être élégant, hein? N'importe quoi. On y va, on écoute. Hein. On va être soulevé, il m'a attaqué. T'as de qui? Quelqu'un de sale déjà là? Montez, cher frère. Oui, allô? On a écouté ici. Oui. On vient d'écouter ici l'audio. Voilà. Il faut nous dire, il faut rappeler le montant que tu as dépensé par rapport à ce logement. Combien de millions? J'ai dépensé plus de 160 millions. Plus de 160 millions, une vie, quand j'ai dit une vie, en Europe, vous savez, l'Europe n'est pas facile. Avec des prêts, malgré mon handicap que je suis, j'ai un problème de cœur, je suis cardiaque, j'ai un problème de cœur à plus de 80%. J'ai pris un prêt pour compléter mon argent. Parce que quand tu commences un projet à Abidjan, tu penses que le peu que tu as peut finir ce projet. Mais en as-tu plus tu commences et puis tu as besoin encore d'argent. Il faut venir t'endetter encore pour aller finir le projet. Vous avez bien entendu l'audio où le monsieur dit que je demande qu'on arrête. Je ne dis pas qu'on ne faut plus qu'il casse. Hein. Qu'on demande qu'on suspende la démolition. Pourquoi j'ai demandé ça? Que mes locataires puissent puisque mes locataires puissent venir faire sortir les effets personnels dans la maison. Ils m'ont même pas laissé ce droit. Il m'a dit, il ne peut pas cacher ces 19 ans de carrière parce que c'est Nabane Kone qui a signé le truc. Donc lui, il ne peut pas aller contre cette décision. Hein? Monsieur Soublé, même quand on dit que tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas avoir un cœur aussi noir, aussi dur, pour venir casser des maisons, une maison qui est déjà habitée sur les affaires de tes frères ivoiriens. Même si tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas accepter ça. À plus forte raison, Nabane Kone, il paraît même qu'il a fait l'Europe. Il était en Europe, il sait comment on souffre ici. Il sait comment on met 5 francs pour faire 10 francs. Nabane Kone a gâché ma vie. Nabane Kone a gâché la vie de 8 de mes locataires. 8 de mes locataires. Ils vont aller se plaindre où? Ouais. Vous me dites, on met sur la page ce qui m'a fait plus mal. C'est-à-dire le mensonge. Encore pour montrer que c'est M. Touré qui en tort, c'est M. Touré qui ment, c'est M. Touré qui n'est pas honnête. Il met sur les pages pour dire que oui,
c'est moi j'ai signé pour qu'on vienne casser. Ils ont mis sur les pages parce que ça a pris de l'ampleur. Tout le monde en a parlé. Tout le monde s'est senti concerné. Les gars qui sont en Europe ont vu comment on souffre. Ils disent, mais c'est pas possible. Quel que soit ce que le monsieur a fait, quel que soit que le monsieur a tort ou il a raison, on ne peut pas se lever un matin pour venir détruire une maison. Ouais. En plus, une maison qui est déjà habitée. Quand il a vu, ils ont vu toutes ces vidéos, tous ces gars qui se plaignaient. Il fallait qu'il mente maintenant sur moi en disant que oui, il était au courant. Oh, Dieu sait faire les trucs. La date qu'eux-mêmes ont mis sur les pages pour dire qu'ils aient signé, cette page, la date m'a trouvé à Genève. Quelqu'un qui peut être à Genève venir signer. Non, s'il vous plaît. Il y a plusieurs personnes qui ont acheté. C'est dans une cité. Parce que les gens pensent que j'ai acheté le terrain comme ça et puis il y a un souci. Non, c'est dans une cité fermée. C'est dans une cité. Et plusieurs personnes ont acheté ce terrain. Comme moi, je suis au milieu. Lui qui à gauche a payé ce terrain. Lui qui à droite a payé les mêmes terrains pour construire. Et c'est moi qui est en face de, comme on appelle ce monsieur, Serge Angourin, qui est comptable. Et c'est pour moi, on vient casser. C'est-à-dire, sur les, je prends un exemple. Quatre ou cinq femmes vont sur une table, au fait. Sur une table, les tables où les femmes vendent là-dessus. Et c'est toi seul, ta table, on vient casser. On dit, il faut quitter là. Mais les autres qui sont là-bas, il y a quel problème? C'est ce que je veux comprendre. Je veux qu'il y avait un collègue m'explique. Qu'est-ce qu'il y a? Il a quel lien, ce monsieur? Et même pas moi. Parce que j'ai fait un courrier. Monsieur Namaneko n'a pas répondu. Hein. J'ai fait un courrier au président de la République pour expliquer mon problème. J'ai pas eu de retour. J'ai fait un courrier à Namaneko Bruno. Je n'ai pas eu de suite. Je n'ai pas eu de suite. Mais il s'en fout éperdument. Que je crève, lui, il s'en fout. C'est cassé. Mais qu'il aille se faire foutre. Du coup, c'est ce que je vois. J'ai fait un courrier. Le courrier s'est déchargé. Je vais vous envoyer le courrier que j'envoie déchargé. Est-ce qu'on peut avoir le courrier, s'il vous plaît? Je cherche le courrier, je vous envoie. Est-ce que vous avez le courrier maintenant? Parce que pas plus de deux minutes. Parce que avant de monter, je vous ai prévenu 30 minutes avant. Est-ce que vous pouvez avoir ça en 30 secondes? C'est possible ou pas? Dans 30 secondes, il faut que je suis pioché dans les archives. Continue. Je vais chercher tout ce que je trouve, je vous envoie. Ouais, continuez. Bon, vous savez que vous avez en suffisance de montrer que vous n'êtes pas un farceur, un menteur ou bien un falsificateur. Non, je cherche, je vous envoie. Non, je dis que... Comme je dois rentrer pour changer, j'ai pas besoin de parler ça. Non, je dis que vous... Non, je dis... C'est lui-même. Non, je sais. Non, je dis... Le courrier. Oui. Je dis tantôt que vous n'êtes pas un farceur. Vous êtes véridique, tout le monde le sait. Et vous avez prouvé à suffisance que ce que vous dites est frappé de preuves. Voilà pourquoi, ayant épousé votre cause, et que vraiment, devant Dieu et la terre, et les hommes, vraiment, je n'ai jamais... vu M. Touré à cause de vous. Non, on ne s'est jamais vu. Maintenant, j'aimerais vous poser. On ne s'est jamais vu. Vous avez pris ma cause parce que vous défendez les personnes sans voix. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul dans ce cas. Putain, hein, c'est parce que moi, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. On est en l'an 2022. Ils ont cassé ma maison en 2021. 2021, on n'est pas en 1800. Est-ce que... Il y a des lois. Est-ce que... Allô? Oui, allô? On va vous pourchiter pour terminer parce que nous avons déjà fait 1h30 du matin. Pardon, 1h30 de vidéo. Okay. 1h34 de vidéo. J'aimerais ici vous poser des questions de chute. Des questions précises avec des réponses précises ou bien concises. Combien avez-vous dépensé dans cette affaire, vous, M. Touré, s'il vous plaît? J'ai dépensé plus de 160 millions. Plus de 160 millions. Et j'ai les factures. Est-ce que... J'ai dépensé plus de 160 millions. Est-ce que le terrain sur lequel vous avez construit, ce terrain n'était pas litigieux? C'est pas un terrain, je dis c'est dans une cité. Non. J'ai payé non. le terrain supplémentaire avec, comme on appelle le... Comment on appelle le promoteur qui s'appelle Mouroufier. Ok.
Quand je vous dis, je vous, si vous voulez, je vous envoie la facture dont j'ai payé le terrain. Je vous envoie la facture tout de suite. Non, les questions sont posées à dessein. C'est-à-dire que quand je pose les questions, maintenant, je suis maintenant dans une posture où je suis obligé de retourner maintenant, de me retourner contre vous. Je suis comme ça. Donc, permettez-moi de pouvoir faire cette... soumettez-vous à cet exercice-là qui sera important pour la communication que je mène. Donc, je vous demande, est-ce que le terrain... J'ai payé le terrain avec le promoteur, les autres comme moi. Écoutez-moi très bien, M. Soulé. J'ai payé le terrain supplémentaire avec le promoteur qui est la société Mouroufié. Okay. Avec d'autres personnes qui ont payé avec moi. Ok, merci beaucoup. S'il y a un souci... Non, c'est bon. Il y a un souci, tout le monde a des soucis. Ok. Pourquoi moi, je vais pas avoir un souci? C'est pas normal. Ok. Non, tu m'as pas compris. J'ai dit que réponse concise et précise. J'ai dit que n'ira pas en profondeur des réponses. J'ai dit que quoi? Je te pose des questions précises. Ne rentre pas dans les détails. Ok, merci beaucoup. Donc je veux que tu sois en quelques secondes, ne rentre pas en profondeur parce qu'on sait que tu es dans les frais. Donc est-ce que sur le terrain où tes maisons ont été construites là, est-ce que d'autres personnes ont été déguerpies là-bas? Personne. Ok, merci beaucoup. Tu vois, voilà. Je suis le seul. Voilà. C'est ce qui m'étonne, au fait. Merci beaucoup. Donc, les voisins, sur le même terrain, là, sur le même lot, n'ont pas été déguerpis. Personne. Ok, merci beaucoup. Est-ce que pour vous, le terrain n'est pas litigieux? Non, c'est pas un terrain litigieux, puisque c'est dans une cité. Merci beaucoup. Et qui a favorisé votre départ? Qu'est-ce qui a fait que le ministre... C'est Angoura Serge, mon voisin qui est en face, qui est comptable à la présidence. Oui. Il m'a dit, écoutez-moi très bien, il m'a dit, vous avez fait des studios qui font face à chez moi. Moi, j'ai des enfants, ces studios, c'est les prostituées ou les bouteurs qui vont venir habiter là. Oui. Il me dit, les studios, c'est les prostituées et les bouteurs qui vont venir habiter là. Et que lui n'est pas d'accord, lui va faire casser. Ok, maintenant... J'aimerais savoir, est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez pris des dettes en France non, pour aller construire ces maisons-là? Bien sûr, bien sûr. Ok. Au niveau de la justice, qu'est-ce qui se passe? Mais ça tourne en rond. Pourquoi? C'est la justice de la Côte d'Ivoire, ça tourne en rond. Ça veut dire quoi? Ça n'avance pas. Est-ce que vous pouvez expliquer? Ça n'avance pas, c'est eux qui sont là, donc c'est eux qui ont la justice en main. Lui-même qui a cassé un truc, comment il va accepter que la justice se pense de ma faveur? Est-ce que vous avez saisi Bruno Nabaneu Kone, le ministre de la Construction? Je l'ai envoyé un courrier, oui, expliquant l'erreur qui a été faite. J'ai envoyé un courrier à Nabaneu Kone. Oui. J'ai envoyé un courrier au président de la République. Mm-hmm. Je n'ai pas eu de retour. Okay. Donc, à ce jour... Pour terminer, je voulais juste que Nabaneu Kone, même s'il ne me recevait pas, qu'il envoyait quelqu'un pour voir mes documents, pour voir mon passeport, pour montrer que je n'ai rien signé, pour voir que je suis dans ma vérité, mais il n'a pas fait. Okay. Pour lui, il dit il a cassé, face à autre chose. C'est ça le problème, au fait, qui me fait mal. Qu'est-ce qui vous a poussé? Quand vous recevez un courrier. Oui, on vous écoute, allez-y. Quand vous recevez un courrier, vous avez fait quelque chose, vous allez casser une maison, vous recevez un courrier de la personne qui explique réellement ce qui s'est passé. Mais il y a des trucs, faut appeler la personne quand même pour viens, envoie-nous ce que tu as comme preuve. Et puis ce que l'autre, voilà. Mais il n'y a rien. On me fait sauter un document sur le site pour dire j'ai signé, j'ai rien signé. J'ai mon passeport qui prouve, est-ce qu'on peut trafiquer un passeport avec tous les cachets, on ne peut pas. Tout ce que je voulais pour qu'ils puissent me recevoir ou me faire recevoir par l'aide d'une personne comme le ministère de la Construction pour que je dise ma vérité. Mais non, puisqu'eux-mêmes savent qu'ils sont dans le mensonge. Mais ils vont me convoquer pourquoi? Mais quand c'est dans le mensonge, tu sais ce que tu dis là, c'est faux. Mais tu as fait venir la personne pour vous dire, la personne qui a venu dire quoi? Rien. Tu n'as pas besoin de convoquer la personne. Mais toi-même, tu sais ce que tu dis est faux. Ma question à vous. J'y vais de tutoiement à vouvoiement parce que d'abord de 1. Allô?
Allô? Allô? Allô, oui, oui, j'entends maintenant, oui. Ok. J'y vais tutoiement à vous voyement. J'aimerais poser une question à vous. Pardon? J'y vais de tutoiement à vous voyement. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller investir si grosse somme? Mais ce qui m'a poussé à aller investir en Côte d'Ivoire, c'est mon pays natal. C'est chez moi. Je suis Ivoirien de père et de mère. C'est mon pays natal. Mais c'est normal que j'ai investi. Et puis j'ai investi par rapport à l'appel du président. Quel a pris le pouvoir? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé aux gars de la diaspora de venir investir chez eux. Voilà pourquoi j'ai investi. Et actuellement, quel est votre sentiment, ressentiment, votre douleur? Est-ce qu'on peut vous donner, pour terminer, parce que je ne veux plus parler encore tout à l'heure. J'aimerais d'abord, avant de terminer cette vidéo, vous dire merci à plus de mille... Non, pas à toi que je parle. Je parle ici à l'audimat, aux auditeurs. Vous dire merci d'avoir été constant, une stabilité. Je n'ai pas compris. Je ne parle pas à toi d'abord, pour le moment, j'ai fini d'abord. Je vais conclure de mon côté et toi, tu vas conclure la vidéo. D'accord. C'est toi qui fais la conclusion. Donc, il faut m'écouter, je vais conclure la vidéo de mon côté. J'aimerais ici m'adresser à ceux qui me regardent ici. Vous dire merci pour votre confiance renouvelée tous les jours. Aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, nous avons franchi le Rubicon des 600 et quelques mille abonnés sur ma page Facebook sur des paris. Vous avez fait de moi l'activiste le plus suivi en Afrique et au-delà politique. Merci beaucoup pour votre confiance sur ma page Facebook sur des paris. Cette page, qui est la page Le Frappeneur, je vous demande toujours de vous abonner et de continuer à me soutenir. Votre humble serviteur. Merci beaucoup à vous. Ce soir, nous avons ici développé un sujet important, un sujet qui tient à cœur de vous tous, humanistes, humains, des personnes épris, n'est-ce pas, de sensibilité et de piété. Nous avons reçu ce soir sur notre page Facebook Les Frappeurs, M. Touré, que j'ai défendu Urbi et Orbi face à une injustice. Notre page Facebook, elle est ni de haine, ni de violence, ni d'exposition. Nous sommes violemment attaqués. Nous voulons ce soir dire à monsieur, au ministre Nabane Kone, que ceux de Paris n'a pas de rancœur, n'a pas d'animosité contre sa personne. C'est la situation de ce monsieur qui m'a braqué contre lui. Ce monsieur qui vit en France et qui a pris des prêts, qui a fait des prêts et qui souffre aujourd'hui à rembourser des prêts. Parce qu'on investit quand tu prends un prêt à la banque. Mais tu peux investir, il faut rembourser après la banque. Ce monsieur aujourd'hui est fauché à cause de toi, la banque connaît. On va lui donner n'est pas la conclusion à notre frère de nous dire en quelques minutes. Je ne parlerai plus pour qu'ils nous disent et qu'ils parlent à cœur ouvert. Ben, cette vidéo sera vue par Nabane Kone. Qu'ils disent qu'est-ce qui passe. Et j'ai dit à Nabane Kone que je n'ai jamais été le pont entre lui et notre frère. J'ai été le pont de la vérité, le pont de la sincérité, le pont du concret pour éviter que l'on puisse dire que la Côte d'Ivoire était un pays d'injustice. Mais j'ai déchanté. Mon très cher frère, notre frère Touré Boga, le plateau est à vous, notre vidéo est à vous. Dites ce que vous pensez, parce que c'est difficile pour vous aujourd'hui. Et c'est pour ce combat aujourd'hui qu'on me combat, parce que je vous ai embrassé face à l'injustice. Et donc, dites à Nabane Kone en direct. Merci beaucoup. On vous écoute. Ça fait tellement des échos. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Bon, j'ai pas tout compris parce que ça fait un peu de non, mais il faut, allô? J'ai tout dit, il faut couper de l'autre côté
Non, c'est coupé. Non, voilà. Donc, je disais que c'est maintenant, c'est à toi de parler ici. Parce qu'aujourd'hui, on dit que moi, je commande à Abadé Kone parce que j'aurais été payé pour le combattre. Et on prend tes photos, d'accord, on prend tes photos, mes vidéos que j'ai fait pour toi, pour te soutenir. Pour soutenir que, voilà, la preuve que sur le Paris combat d'Abadé Kone. Alors que ce n'est pas vrai. Je ne le combats pas. Je combats les actes qu'il a posés. Donc, j'aimerais que tu parles aux Ivoiriens qui t'écoutent en 5 minutes et je ne parlerai pas. Parle à Abadé Kone parce qu'il est là, il nous écoute. Il est là, il nous écoute. Il faut lui parler en direct. Ben, monsieur Abadé Kone, avec tout le respect que je vous dois, Souley El Paris, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Il m'a soutenu, il n'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de cette histoire. Franchement, je ne le connais ni dans. Ni, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est quelqu'un qui soutient, comme je l'ai dit, les sans-voix, les personnes qui n'ont pas de voix en Côte d'Ivoire, qui soutient les personnes qui ont des problèmes. Et je ne suis pas le seul, il y a des gens qui ont comment on appelle, les terriens qui ont été arrachés en. Vraiment, j'ai pas de mots, mais c'est pour vous dire que ce monsieur sous le départ, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. Il a vu ma première vidéo et je crois que ça l'a touché. Toute personne en Europe à l'aventure. Moi, jusqu'à présent, j'ai des personnes en Italie, j'ai des personnes en Allemagne, partout dans le monde qui sont dans mon inbox, qui partent de ce ministère de la construction. Tous les malheurs qu'ils ont eus, les gars, on se change, on parle. On parle de ce qui, de tout ce que chacun a vécu. Et moi-même, il y a d'autres personnes, quand eux-mêmes s'insultent, que moi-même, à quelques secondes, j'oublie le mal que vous m'avez fait. Parce que je n'ai jamais été convoqué, monsieur Abadé Kone. Je n'ai jamais, en tout ce que vous m'avez mis sur le site du ministère de la construction, je ne me reconnais pas, parce que je n'ai jamais rien signé, je n'étais même pas en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire du mal aux Ivoiriens comme ça, et puis qu'ils se taisent. C'est comme si tu tapais ton enfant et tu lui dis, je ne veux pas que tu cries. Je ne veux pas voir que tu coules les larmes, des larmes. Je ne veux pas que tu chuchotes, tu le chuchotes et il est là, il ne bouge pas. Mais moi, je ne suis pas une personne comme ça. Je n'ai pas volé. J'ai travaillé en Europe pendant 25 ans. J'ai pris un prêt. Il fallait investir chez moi, là, chez moi en Afrique. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Et je vais dénoncer jusqu'au dernier de mes souffles. Je ne peux jamais accepter ça. Ce n'est pas possible. Vous vous attaquez à Souley de Paris pour rien, hein. Parce que c'est une personne que je ne connais pas, vous êtes attaqué, vous dites qu'on a payé, ça c'est vous qui voyez. Mais ce monsieur a défendu la Côte d'Ivoire, il a défendu une personne qui est à l'aventure, il a défendu des personnes qui sont à l'aventure et qui sont allées investir. Et par rapport à moi, mon problème, il y a plein de personnes qui ont subi ce genre d'injustice en Côte d'Ivoire. Ok, mon frère Touré. Voilà. Mon frère Touré. Oui. J'aurais appris que tu étais un fervent et tu es un fervent partisan du RHDP. Vrai ou faux? Oui, c'était vrai. Non, c'est vrai ou c'était vrai? C'est vrai. Ok. C'est vrai. Voilà. J'aimerais ici dire une chose. C'est important parce que je voulais terminer par là. Parce que ce qui est dit n'est pas vrai que nous trions des personnes pour faire nos communications. Abadé Kone, il est RHDP. Touré Boga, il est RHDP. Celui pour qui, là, j'ai fait une et quelques, là, il est RHDP. Mais c'est l'injustice qui s'abat sur lui, là, que moi je porte. Moi, je suis pro-Soro. Ça, là, c'est même pas à déterminer ou bien à susciter sur ça. Touré Boga, tu es du RHDP ou pas? Allô? Allô, oui, je suis là, je vous écoute. Tu es du RHDP ou pas?
Pardon? Tu as dit RHDP ou pas? Je suis dit RHDP jusqu'à preuve du contraire. Ok. Est-ce que tu trouves normal ce qui se passe avec toi? Pardon? Est-ce que tu trouves normal ce qui s'abat sur toi? Est-ce que je trouve normal que... Ce qui s'abat sur toi aujourd'hui, depuis des années là, est-ce que tu trouves normal ce qui s'abat sur toi? Bah, je n'ai pas entendu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu trouves normal ce qui s'abat sur toi? Allô? Oui, allô? J'ai du mal à t'entendre dans la porte. Est-ce que tu trouves normal? Oui. Ce qui s'abat sur toi? Non, je ne trouve pas normal. Ok. Je ne trouve pas normal. Et c'est une personne d'un autre bord politique qui vient me défendre en plusieurs fois. Ce n'est pas la première vidéo que Soule de Paris fait pour moi. À quoi maintenant? C'est-à-dire, si je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On ne peut pas suivre le RHDP pour suivre le RHDP comme ça. Mais tu suis un politique. Je ne suis pas une partie politique. Tellement je suis, moi, monsieur, un peu, je ne sais pas quoi dire. Et puis, toi, tu es dans le sein. Mon oncle, sa photo, la photo du RHDP. Je suis un peu dépassé, en fait. Donc, les mots me manquent. Moi, je ne sais quoi dire, en fait. Ok. Je ne sais quoi dire. Voilà, parce que... même. Pour pouvoir, moi j'ai des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont demandé chez quel, quand mon histoire est arrivée, qui m'ont demandé chez quel bon politique. Quand j'ai dit RHDP, ils m'ont dit oui, on a vu, on a allé sur, comment on appelle, sur ton Facebook, et on a vu que tu es du RHDP. Mais ne t'inquiète pas, mais on va voir pour régler ton problème, qu'est-ce qu'on va faire? Ben ça fait 2 ans, personne n'a bougé. Ok. Ça fait 2 ans. Et ils sont allés, avant de me poser la question, ils se sont renseignés, ils sont allés sur mon compte Facebook, ils sont rentrés partout pour savoir que je suis du RHDP. Mais malgré ça, quand je leur ai confirmé, ils m'ont dit oui, avant qu'on a vu, on sait que je suis du RHDP, même les personnes qui me défendaient, quand je faisais des vidéos, quand les gars dénonçaient, ils disent, mais c'est vous, c'est entre vous les gars du RHDP, allez les régler entre vous. Voilà. Mais les gens m'ont dit ça. Voilà. C'est entre vous. Vous, les gars du RHDP, allez régler ça. Voilà. Et nous, on a fait quoi? Bon, tu vois maintenant, mon amertume. Moi, ils m'ont dit ça. Non, je viens. Quand ils commencent en bas, là, je viens. Allez régler entre vous. Vous, les gars du RHDP. Merci beaucoup. Vous, les RHDP, non? Allez-y dedans. Regarde maintenant, moi, mon amertume. Moi qui suis pro-Soro, je viens, je porte ton combat. C'est les cadres du RHDP qui disent que non, moi, je suis payé pour les vilipender contre, à cause de, parce que tu veux les images? Ok, j'ai monté une image même ici maintenant, voilà, sur ma page ici, où le communicant, il y a un monsieur, il y a un exemple, hein, un monsieur qui s'appelle en global, qui est proche de Dabane Kone, voilà, que Dabane Kone a envoyé pour m'attaquer également. Vous allez voir que ce monsieur, dans ses publications, affirme ici, ici, là, vous allez voir en commentaire. Je monte ici en direct. Que moi, parce que qui parle de lui, parle de Dabane Kone. C'est l'un de ceux que, aujourd'hui, voilà. Vous allez voir que ma vidéo, à cause de toi, toi, t'es RHDP. Moi, je me bats pour ta cause. Et moi, je me combats parce qu'il prétend. Alors que moi, ça t'est menti. Je t'ai jamais vu d'abord de un. Et tu es pro-Soro, dans l'âme, dans l'esprit. Mais j'ai plutôt combat parce que moi je défends la justice. J'ai quelqu'un qui, ma foi, me comble et fait ma joie au niveau politique. Ça, c'est, il n'y a rien à dire. Mais voici tes frères, même qui font les vidéos, qui font les publications, et puis ils mettent ma photo en caricature. Que moi, je suis payé pour combattre. Nabane Kone. Je te montre ici la vidéo, une publication qu'elle a. Et là, ici, regarde ici, là. Là. Tu vas voir ici, voici ma photo qu'elle a. Quand tu vas sur ma page Facebook, tu vas voir ici, sur de Paris. Voilà. Et sur la photo de profil là, c'est Nabane Kone qui est là. Tu vas voir, Nabane Kone est là. Voilà. Avec l'indic. Voilà. Tu vas voir, on dit ici. Ouais, je vois, ouais. On dit si c'est
tu as oublié que tu finançais sur les paris pour déstabiliser les ministres Kone Nabane Bruno. Voilà. Et tu laisses l'image sale, mal, sale, voilà. Mais tu vois ici, regarde là, ici. Quand je clique ici, c'est la vidéo que j'ai fait ici le 7, le 13, le 18 mars. Le 18 mars, où, voilà, où j'étais soutenu. Tu es là ici. Regarde. Donc, c'est toujours, ouais. Voilà, tu vois, tu es là ici. Nabane est là et toi tu es en bas. Où j'étais soutenu, oui, pour dénoncer ton cas. Mais lui, est là. On dénonce l'injustice. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, eux, ils voient, voilà, ce qui est mauvais, voilà, mais c'est parce que on ne peut pas voir que quelqu'un. Quand mais... vous voulez qu'une partie. Vous êtes dans un. Non, je, dans non, 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 j'en viens. Tu vois, moi je porte ton combat. Je porte ta cause. Là où tes camarades lâchent, fuient, ils ne parlent pas. Et quand moi je parle, on me tait d'être payé pour faire le combat pour toi. Tu vois, tu vois l'incongruité. Tu vois, n'est-ce pas, l'abject, l'ignominie, pour ne pas dire, n'est-ce pas, l'infâme. C'est-à-dire que moi, je me lève, je porte ton combat. Toi qui es RADP là, je peux, même pour un soro, je ne peux pas le faire. Je ne le fais pas. Mais je porte le combat de tous. Donc, tu as une preuve palpable, ouais, pour dire vrai à Nabane Kone qu'avant de te connaître, je n'ai pas demandé ta politique. J'ai pris ton combat, je l'ai posé. Aujourd'hui, comme il voit que la communication a porté, c'est mon nom qu'il prend, il met au devant, que moi j'essaie de le salir. Et maintenant, il passe par des activistes. Certains, je dis, des proches à moi, quand des proches, je n'ai pas dit que des personnes qui sont au GPS, je n'ai pas dit ça. Voilà, des personnes qui sont activistes pour les corrompre, pour faire la communication à l'envers. Frère, la Côte d'Ivoire est une mosaïque. C'est notre pays, notre essence. Et on doit construire ce pays-là, tous ensemble, quelles que soient nos divergences. Ce soir, je suis très fier d'avoir porté ta voix. Pendant deux heures, j'ai soutenu avec toi. Dénoncer la justice. Merci beaucoup à merci toi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. On est ensemble. Que Dieu te bénisse. Merci. On est ensemble. Merci. On est ensemble. Vraiment, frère, on est ensemble. À demain. Merci beaucoup. Ensemble. Merci.